Alors, stream, Twitch. Voyons voir. C'est bon, c'est envoyé sur Twitch. YouTube maintenant. YouTube, ça fonctionne, tout fonctionne, parfait, on va pouvoir commencer. Et bonjour à tous, ici Vigo et bienvenue dans ce Let's Play dédié à Napoléon sur Heart of Iron 4, comme promis, pour les 1000 abonnés, ou plutôt comme voté par les 1000 abonnés. Nous allons jouer. Pardon. Du coup, comme je disais, la voix napoléonienne, mais comme on me l'a fait remarquer sous les commentaires du vote, il y a en effet 1 milliard de let's play déjà fait sur Napoléon. C'est le GOAT, tout simplement. Et comme une autre personne me l'a également rappelé à mémoire, il y a un mode très très intéressant à jouer avec la France, qui s'appelle France Completed, vous l'avez en description de la vidéo. Et c'est avec lui que je vais jouer aujourd'hui. Vous allez pouvoir le découvrir, j'ai quelque peu testé moi-même, étant donné que j'avais besoin de voir Napoléon, pardon. De voir s'il ne risquait pas de cracher. Ah, un peu de pas d'accent. S'il ne risquait pas de cracher, parce que la dernière mise à jour date quand même de 2023. Donc, j'ai pu tester comme ça, mais vous allez le découvrir et ça rajoute énormément de choses vachement intéressantes. Surtout dans l'arbre national. Donc le premier truc, ça c'est simplement, ça fait une magie noire un peu différente. Si je vous montre, au lieu d'avoir directement 10 forts ici, on en a un certain nombre ici, quelques-uns ici, c'est pour commencer quoi. Mais c'est pas du tout le plus important. Le plus important, c'est ce petit bitonio là. Déjà rien que là, vous voyez à quel point ça s'est développé, toute la partie d'évaluation du franc. Les trucs armés de l'air et armement naval sont un peu similaires. Et pas rangés au même endroit. Vous voyez que le truc de réarmement, il est juste gigantesque. En fait, on a tout ce carré-là qui s'est rajouté. Ici, c'est un peu similaire. Quasiment la même chose, je crois. Ici, toute la branche politique va être divisée, en fait, avec soit par communisme, nationaliste, démocrate, ou justement, là, ce qui nous intéresse, bonapartiste. Donc, le cher Napoléon. Ça, c'est un petit truc en plus. Et ça, en fait, ça se libère à partir d'événements, c'est-à-dire que durant l'année 1936, nous aurons quelques événements qui vont lancer les élections de 1936, c'est à partir de là qu'on va choisir, et c'est là que l'arbre va se dévoiler. Ici, on a quelques branches économiques qui sont également améliorées. Ici, on a toute une branche politique qui a été rajoutée pour plus ou moins avoir des missions avec d'autres pays, essayer d'assassiner Mussolini, réobtenir des... réobtenir des casus belli, ou faire des buts de guerre. Et c'est pour ça que ça va être super intéressant. En plus, bon, c'est extrêmement agréable, parce que bah, c'est enfin des trucs qui durent pas 70 jours. Et on va commencer... rien que d'évaluer le flanc, ça prend que 35 jours. Et il y a aussi, relié à cela, tout un système de chambre des députés, avec un certain nombre d'élus. Et si jamais on n'a pas un certain nombre d'élus d'une certaine catégorie, par exemple pas suffisamment de nationalistes, nous avons des décisions qui ne sont pas possibles. Par exemple, politique capitaliste, il faut un certain nombre de nationalistes. Le bloc national droite plus droite libérale plus nationaliste doit avoir au moins 100 députés. Si on l'a pas, on ne peut pas lancer ce truc. Enfin, après politique économique, bien sûr. Et pour commencer, on a aussi les malus qui sont un peu différents. Dans ça, c'est toujours la même chose, mais c'est surtout le gouvernement des unis. Ça nous coûte que 0,6 de poids politique au lieu de 0,8. Par contre, le coût des conseillers politiques était 10%. Et on a également l'état-major dépassé, donc on a les blindés un peu pourris. Ça, c'est un peu pareil, mais comme vous voyez ici, au lieu de coûter 150, ça coûte 165. Donc ouais, c'est un peu chéros. Et on a également quelques bons hommes en plus, il me semble. Voilà, on peut en débloquer quelques-uns. Je crois que c'est les généraux qu'on a quelques-uns en plus, mais bref. Sélectionnons la priorité nationale. Donc il y a des trucs super intéressants. D'évaluer le franc, c'est toujours intéressant. Et surtout, on débloque les autoroutes et SNCF qui a rajouté énormément d'infrastructures. Donc très intéressant, investir dans l'hydroélectrique, bordel de merde, c'est aussi intéressant. Mais pour avoir un petit peu de poids politique au début, on va partir sur direction diplomatique, on va gagner 50 de poids politique. Donc ça c'est le début, dans nos petits territoires occupés, la classique, on se met en contrôle civil, au cas où je suis un jour en guerre avec l'Italie, mais je pense que je serai en guerre avec l'Italie. Je vais relâcher la Tunisie, j'aime toujours relâcher la Tunisie, c'est pratique. Et on perd vraiment rien à le faire. Ensuite, ça je peux rien changer, ça c'est bon, les dépendances à part la Tunisie on n'a rien.
Ça, j'ai vu, donc, y a, comme je vous dis, il y a la Chambre des députés, il y a donc énormément de décisions pour impacter, genre encourager le socialisme, on gagne des députés socialistes. On a également toutes les décisions par rapport à la ligne, imaginons, on peut renforcer la ligne. Et ça, j'ai pas trop regardé, je sais pas trop ce que ça fait. Je vais en regarder succinctement, histoire de pouvoir comprendre. Service de renseignement, alors on peut en créer un via l'arbre. Il y a cet arbre ici, renseignement généraux, ça en crée un, sauf qu'il faut attendre le réarmement, il faut 12% de soutien à la guerre alors qu'on est quasi. Bon, ça prendrait pas trop de temps, mais en soi, j'en ai besoin immédiatement de mon truc d'espionnage, et en plus, il risque de choisir un logo que j'aime pas, et moi je veux l'aigle. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour le créer soi-même. Dans les recherches, on a exactement le même nombre de slots de recherche, par contre, ça change pas. On va partir en industrie, construction et recherche. Pardon. Le marché, on va vendre du matos. D'abord, je vais ramener mes troupes et les tensions. Après, je vais vendre le matos. Commerce, j'en ai pas besoin tout de suite. Au niveau de la construction. Donc, comme j'ai dit, on va gagner des infrastructures. Mais il me semble qu'on va pas en gagner en Île-de-France ni en Normandie. Vérification. Hop, hop. Limousin, Alsace, Languedoc et autoroute centre-sud Auvergne-Champagne-Rhône. Ok, donc ça va. Me permettre de construire mes infrastructures ici, c'est pour augmenter la vitesse de construction tout simplement. Le Loir, il me semble, le centre aussi. Donc, et là, je vais partir directement en full usine militaire vu qu'on va partir en guerre assez tôt. Parce que dans l'art bonapartiste, il y a évidemment toujours venger Waterloo, ce genre de choses. Pour la production, pas de char, ça comme d'hab. Par contre, quelques petits chouchous. Des petits chouchous. Et de l'anti-aérien également. Ah, et je disais de l'anti-aérien. Si. Schneider. C'est long, c'est long. Ça, c'est good. Et pour le dernier, on fout ça en infanterie. Pour la marine. On va tout ai-je, hein, je vais les reprendre par moi-même. Et surtout, je vais mettre des convois. Ça, je crois que ça a été rajouté également, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Donc, hop, hop. On dégage tout. En fait, j'ai envie de créer des convois assez vite et uniquement des destroyers. Donc, convoi. Il m'en faut quand même un bon petit nombre. Et ensuite, destroyer. Enfin, non, sous-marin, puis destroyer. On va faire des deux sous-marins classiques et des destroyers classiques. Navire. Ouais, escortail. Et ça, il m'en faut combien du coup? Clac, clac, encore un petit coup, clac, clac, voilà, ça ira très bien. J'ai besoin de pas mal de convois. Donc ça, c'est bon, la production, c'est bon. Pour le déploiement, on verra après, tac, tac, non, ça, c'est classique. Donc, maintenant, on s'occupe de toutes nos troupes, toutes nos divisions qui sont là. On leur donne, pour l'instant, vegan, mais ça va changer, vous allez voir pourquoi. On va nommer... non, j'ai pas besoin de nommer quelqu'un tout de suite, en fait. On va ramener tout le monde. On va prendre les montagnards. Je vais les mettre dans un autre truc. Enfin... Okay. Ordre annulé. Je vais plutôt faire ça avec Mister qui est là. Comme ça, tout le monde va venir. Et ça, par contre, on va tout transformer. Pourquoi je peux pas tout transformer? Ah. Bon, faut d'abord que vous veniez. Je peux lancer. C'est vrai que je peux lancer maintenant. Je me suis occupé de tout. Ça, je vais vendre. Ouais, je vais vendre des convois parce que ça me sert pas spécialement. Je vais en vendre 145, on va dire. Et de toute façon, je suis en train d'en produire. Un prix. On va d'abord essayer en élevé. Si ça se vend pas, on mettra en normal et puis après en pas cher. Voilà. Et vous tous en brigade coloniale pour l'instant. Comme ça, je refais bien les stocks. Allez, on démarre. On essaie d'aller vite. J'aimerais quand même qu'à la fin de ce stream, on ait au moins. Pardon, on est au moins eu l'Angleterre. Voilà, ouais, déjà un truc. Au moins pendant les années 36, 37 et 38, on aura des choses à faire. Donc, ça, par contre, j'aimerais quand même. Clac. Vendre du matériel. Classer sur le coup. Attends, c'est quoi déjà? Je sais qu'il y a un truc pour que ce soit automatique. Je ne sais plus où c'est. Ça m'énerve. Je suis colère.
Bon, ouais, non. Bon, c'est pas grave. Hop, donc ça c'est fait, on a gagné un petit peu de poids politique, ça fait plaisir. On va faire le coq dans le monde, et puis après, bon, il y a pas mal de trucs, genre entente latine, régiment Normandie, mais diplomatique, je vais plutôt soutenir la Finlande. Mais ça, c'est. Ça va rajouter des réserves chez moi, pour le bloc national en plus. Je crois que, ouais, c'est ça, politique orientale, je l'avais vu, qui donne d'un coup un poids politique pour 21, donc en gros, c'est comme si je gagnais 80 points de politique, vu que par jour de faire une priorité, on perd un point de politique. Fortifier la Belgique, pas besoin, on va pas être défensif, comme deux ans, bon, après, il y a plein de trucs. Vers une Union Européenne, c'est... il va avoir une belle gueule, l'Union Européenne. Donc là, je pense qu'on va prendre... Ça, ça ajoute des bonus pendant 90 jours, mais en vrai... Pas très important. Bon, ils achètent. Bah d'ailleurs, tiens, vu que j'y suis... Hop, le coq dans le monde. Là, c'est vraiment juste pour gagner un petit peu de poids politique, prendre des premiers... les premiers boys. Donc, ce dont j'ai pas besoin, là, c'est mes chars. On vend tout. Ça va me donner pas mal de construction, vu que là, je vais full militaire. Hein. Vraiment, cette game, ça va être full militaire. Ah, voilà, c'est ça. C'est. On commence, en fait, à avoir des scandales un petit peu vis-à-vis de nos politiciens. Et du coup, c'est ça qui va créer une sorte de coup d'État. Nous permettant de changer de gouvernement et passer au gouvernement bonapartiste. Enfin, qui sera du coup, en gros, le non-aligné qui va devenir le gouvernement bonapartiste. Pardon, excuse-moi. Alors, deuxième bureau, parfait. Tu vas partir direct en cryptologie. On va en avoir besoin pour lorsqu'on va envahir l'Angleterre. Mais je suis con. Détail parfait. Grâce à ça, je pense qu'on peut partir directement sur la dévaluation du franc. Je suis un peu couillon, je m'en compte que je suis un peu couillon, je n'ai absolument pas pris soin de checker mes avions. Tous les navires, vous retournez ici, s'il vous plaît. Et tout ce beau monde, j'ai tout là. Non, j'ai pas pris ce qui était. Oui, non, c'est normal, j'ai pas pris ce. Non, si, j'ai pris tout le monde. J'ai pris tout le monde. Sauf eux. Sauf eux aussi, hein. Voilà, célébration. Et là, du coup, tout ce beau monde, disais-je, on va le mettre en... à l'entraînement. Ça va donner un petit peu. Et maintenant que j'ai du poids politique, je peux prendre... Ok. 187. Ah oui, non, il faut que je change. Faut que j'attende un peu, c'est normal. Et ici, j'ai pas assez de ça pour me payer un mec. C'est terrible. Alors, est-ce que tout le monde est là? Quasiment tout le monde. Le reste est en train d'arriver. Après, on va les mettre à l'entraînement. Ah, voilà. L'action française attaque Bloom. Donc, c'est ça qui peut se passer. Prenez ce choix, confère violence politique. Prenez ce choix pour le chemin royaliste ou bonapartiste. Et si je prends l'autre, c'est vous ne pourrez pas prendre le chemin monarchiste ou bonapartiste. Du coup, les nationalistes gagnent 10 élus. Élection de 1936 survient. Vous allez voir, ça va être incroyable. Les arbres, enfin j'ai vu que le bonapartisme, mais j'imagine que ça va être le même pour royaliste et tout, l'arbre devient en fait gigantesque. Alors, première espionne, il faudrait infiltrer, ça c'est bien, ça a moins de chances de se faire choper, et tu vas direct, ouais, ici. Alors, service des formulaires parfait, on va prendre capsule empoisonnée pour... moins de chances de se faire choper. Toi, tu vas me décrypter le code anglais, ça va servir pour le débarquement. Et ma flotte... Tout le monde est là, parfait. Donc toi, hop, entraînement, shift plus clic, comme ça il s'entraîne jusqu'à ce qu'il soit complètement entraîné. Oh, c'est beau ce que je dis. Tac, remutation de la Rhénanie, ça pour le coup, on peut rien y faire pour l'instant. Et ensuite, on va partir sur les autoroutes, c'est quoi? Enfin, il faut pas mal de nationalistes et de droite libérale. Pas changé, il me semble. Non, je ne sais pas changer. Comment ça se fait qu'il me recoute encore? En plus, j'aimerais quand même vérifier. Gain de poids politique. Pierre... Ah oui, non, c'est Pierre Laval, c'est lui. Bon, dès qu'il va gerter.
On va prendre direct monsieur le bourreau du travail. Ok, nickel. Alors, mon aviation a fini. Alors, tout ce beau monde là. Bam, 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 bam. Le naval là, clac, clac, clac. On prend tout. On réunit tout. Et tout ça, vous allez là pour l'instant. Bon, ça va détruire absolument tout mon carburant. Mais ensuite, je reséparerai comme il faut dès que tout le monde sera là. Alors, c'est géré maintenant que Pierre Laval il se casse. Comme ça, je peux prendre un meilleur gars. Un meilleur Boris. On va améliorer l'écoute radio, j'ai envie que le décryptage aille plus vite parce que j'ai peur qu'au moment où je commence à guerroyer avec l'Angleterre, ce soit pas encore bon. Voilà, toutes les troupes reviennent. Alors, calculateur mécanique, non ça. Je préfère chercher ça comme ça, mes premiers avions ils ont la radio-navigation. C'est ce que je préfère. On va juste... Ah voilà! Élection de 1936, voilà, c'était en train de se passer. Donc là, vous voyez, ça se passe, en fait, vu ce qu'il y aura encore un événement qui fera que je vais choisir les bonapartistes. Ça partit, fort parti. Priorité annulée. Ah, d'accord. Ah, merde. Je m'y suis mal pris, du coup. Coup d'état de prendre ce choix pour la victoire des monarchistes et junte militaire bonapartiste, c'est ça. Philippe Pétain va diriger le Parti démocratique, la French Military Junta. Junte militaire bonapartiste. Ok. Et du coup, normalement. Voilà. Du coup, tout l'arbre s'est débloqué. On a tout ça. Tout ça, c'est Napoléon, ça. Vous voyez, c'est. On a de quoi imiter Napoléon Ier ou justement Napoléon III. On a du coup notre vengé Waterloo qui est toujours là. Salut Aiden. Ouais, pardon. Et on a également du coup la question italienne pour avoir un but de guerre contre l'Italie, l'Ibérie, les Balkans. Et après on peut même partir justement au Mexique pour aller aux États-Unis. Il y a toujours la Russie. Ça c'est pareil, on peut avoir, on peut assujettir la Suisse, ce qui n'existait pas avant. Et là on peut s'attaquer à la Turquie et autres. Donc c'est énormément de trucs qui se rajoutent. Le coup échoué, voilà, on va partir là-dessus. Du coup, la SNCF, c'est pas faite, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'elle se soit cassée la gueule parce que le nombre d'élus... Ah, bon, j'aurai toujours les autoroutes. Ça me fait perdre un peu de temps, mais bon, c'est pas très grave. Allez, hop, on part là-dessus. Ok. Restaurer l'ordre. Wow. Restaurer l'ordre, disais-je. Et là, on a moins notre problème. On peut repartir sur notre cher Botra. J'ai besoin de ces noms de dieux de... Voilà, coq dans le monde, ça ne durait pas très longtemps. On va s'occuper maintenant de notre cher Navy. In the Navy. Clac, on va se séparer. On va prendre uniquement les sous-marins qu'on va foutre du coup ailleurs. Qui eux seront... Je n'aime pas du tout ce logo. Je veux mon soum-soum en bleu. Mais il est violet, c'est dégueulasse. Toi, deviens bleu. Voilà. Donc, in the Navy. Et ensuite, il me faut uniquement les destroyers. Destroyers, 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 destroyers. On les prend là. Là. Ensuite, toi, on te divise en deux. On prend la moitié qu'on remet dans la flotte principale qui va servir de flotte d'écran, du coup. Enfin, les destroyers vont servir d'écran pour la flotte principale. Ici, on a du coup ma flotte principale qui est celle-là, la couleur me va, et ça, c'est ma flotte de protection de convoi, du coup, protection. Voilà. Voilà, c'est pas mal. On verra un petit peu plus tard pour les amiraux s'il y a besoin. En attendant, ça part là-dessus. Ok. Vendre du matos, ça se vend. Ça se vend moins. Je vais baisser un peu le prix. Hop, clac. Pareil pour ça, là, tiens, je me sens un peu le prix. Hop. Lui, non, j'ai besoin de garder ça pour avoir un mec expérimenté. Ok. La population réclame leur... Ah, bonne chance, bonne chose, bonne chose, bonne chose. Mobilisation précoce, excellent, excellent, excellent. C'est passé ? C'est passé ? Juste en train de me trouler. Non, c'est bon. Mobilisation précoce.
Écoute radio, pas mal. Du coup, ça prend combien de temps pour déchiffrer le code anglais 443, je vais les attaquer. Ouais, c'est bon. En un an, ça suffira. Du coup, on va partir sur technique d'interrogatoire. Et on a un truc, on va améliorer nos... Voilà, on est bien, on est bien. Restaurer l'ordre d'excellence. Oh, c'est bien, c'est trucs qui durent pas trop longtemps. Et là, on a direct révisé la constitution. Le mode est peut-être un peu... rend peut-être la France un peu trop fort parce que... Je crois qu'on obtient venger Waterloo, genre... Février 38 avec le mode. Alors qu'en Vanilla, c'est plus avril-mai. Voire juin, si on va pas à fond dessus. Donc, plus tôt on arrive à s'emparer de ces pays, mieux c'est pour snowball derrière. Surtout que gros, venger Waterloo est meilleur vu qu'on peut également se prendre Luxembourg. Donc ça fait toujours en fait un nœud logistique supplémentaire très utile et quelques petites... Comment ça s'appelle ? Quelques petites usines en plus. Et du matos en plus à récupérer. On est bien. On a juste à attendre. Et là, maintenant, tac, attaque terrestre. Voilà. Lui, je le prends surtout pour la... Technique d'interrogatoire, j'en ai combien ? 1, 2... 3, 4, un petit dernier, on va... Ah non, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va prendre encre invisible. Et après, peut-être que je repars tirer sur l'écoute radio, histoire de pouvoir décrypter le code allemand avant d'entrer en guerre. Alors, on a révisé la constitution, ça, donc pareil, ça va durer un an. On peut lancer le réarmement, je vais faire les autoroutes avant de lancer le réarmement, je pense. Avoir des infrastructures, vu comment je vais construire... à fond, c'est quand même plutôt pratique. Construire là, si je veux construire. Ah, c'est chiant. C'est chiant quand même que le truc se soit arrêté. Ça m'emmerde un peu. Les autoroutes, ça me donne sur quoi ? Centre-Sud, Auvergne, Champagne, Rhône. Centre-Sud, Auvergne, Champagne, Rhône. Centre-Sud. Pas la Loire, du coup. On va mettre en Loire alors. On repart encore sur les piou-piou. Il faudra qu'assez rapidement je fasse des avions aussi. Ah oui, maintenant il y a ça aussi. On peut préparer la fête nationale. Donc, comme j'ai quand même des petits effectifs, je vais plutôt faire un petit défilé pour l'instant. Mais tous les ans, on aura ça. Ce qui fait quand même plaisir. Là, ils sont améliorés au maximum. Mais je vais quand même en prendre environ une partie. Je vais commencer à un petit peu subdiviser mon armée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merde. Bon, jusque-là, alors. Ils retournent là. Ou 3. Encre invisible, d'accord. Eux, ils achètent. On construit. Toi, viens là. Je vais te donner Jean Lattre. Jean Lattre, ça... j'espère bien que lui, ça va être le GOAT de la game. Et le reste, ça, je peux réduire en 2. Déjà, mes usines. Je suis en train de faire une chose en même temps. L'artillerie, je vais en avoir énormément besoin. Je vais avoir besoin un petit peu de tout. On redivise en deux. 23, pas mal. On les met là. On les donne à Végan. Même sous. On va prendre un et on peut là. Voilà. Et toi, bah, dès que j'aurai assez d'XP, je vais changer un peu le template. Et à qui je vais te mettre, toi ? Est-ce que j'ai des... Bah, il faut un petit Orly. Il y a lui, là, qui est nouveau. Jean Flavigny, aussi. Lui, il est officier des blindés, officier de carrière. Et il y a Louis Franchet d'Espéry, détection des divisions d'infanterie. C'est des petits nouveaux. Attaque plus un, retranchement maximal, gain d'expérience du commandant. Tout ce petit monde m'intéresse. Je pense que je vais prendre Louis Franchet d'Espéry, vu qu'il est nouveau. Lui, évidemment, ce sera Orly. Vu que c'est les montagnes. René Orly. Et le petit dernier, on va prendre ce cher de Gaulle ou je mets quelqu'un d'autre. Non, on va... Ah, j'aime bien le fond de jeu aussi. Non, on va prendre de Gaulle. Hop là. Au niveau de la recherche, du coup, j'ai eu ça. Je vais partir maintenant sur... Ça va se faire tout seul. Je vais partir sur les avions, tiens. Et vu que je suis pas trop mal en pop politique, je vais même me permettre ça. Et quand je pourrai, je me prendrai un conseiller aérien. Ah, les autoroutes. Excellent. Donc, maintenant qu'on a les autoroutes, je pense que je peux commencer le réarmement. Ou
politique économique. Ça donne de poids politique. Recherche. Ah, je sais pas. Après tout ça, il y a tellement de trucs. Alors, après 1er septembre 1939. Et donc on a ça, mais t'as lancé le réarmement. 42 jours, c'est pas mal. Mettre à jour l'armement, tout ça, c'est bien ça. Et là, ça rajoute. S'engager dans l'un deux usines militaires, ça rajoute pas mal d'usines militaires. 35 jours hein, pour faire des usines militaires, c'est pas mal du tout. Après, politique économique, c'est bien aussi. Le petit poids politique, là, 7 jours, allez, on peut faire ça rapidos. Au moins, c'est fait. Fête nationale, on va encourager les ouvriers. Bah oui, parce que maintenant, à la fête nationale, on a ces petits events donc, qui peuvent générer plus d'as, on améliore notre marine, notre armée de terre. Mais nous, on va améliorer, vu qu'on n'est pas en guerre, autant améliorer nos manufactures. Alors, bon, ça reste quand même un petit peu d'attente, évidemment, on peut pas. Politique économique, est-ce que je peux être directement derrière? Non. J'aimerais bien rester sur tout ce qui est laisser-faire et tout, j'aime beaucoup. Troisième position, ça m'intéresse pas, mais du coup, c'est à cause du nombre d'élus. Le bloc national n'a pas assez de bons hommes. Bon, maintenant qu'on a fait ça, c'est déjà pas mal, on peut partir sur lancer le réarmement. Et là, dès que j'aurai suffisamment de ça, je prendrai. Supérieur, c'est bien supérieur. Il me faut ça, là. La puissance de commandement, je n'en ai tellement pas. Bien quotidien, 0,15, c'est ridicule! Je peux même pas prendre de trait pour mes boys, là. Attention. Ah, voilà, mon deuxième. Ah, parfait, ça. Ça, c'est bien, ça. Alors, toi, tu vas. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi, tu vas créer un réseau. Ouais, tu vas créer un réseau. Tiens. Hop là, voilà. Easy. On est comment du déchiffrage là? 353 jours? Ouais, c'est bon. On est qu'en août 36, hein. Tout, ça, je vais en avoir besoin aussi, donc autant commencer direct. C'est beaucoup mieux hein, le fait d'avoir autant de trucs un peu plus courts. Ça permet vraiment de jouer avant 36, parce que sinon, avec la France, on se fait un peu chier. Enfin, avant 36, pendant 36 et 37. Et on s'emmerde un peu, donc c'est plutôt bien. Plus vite, pitié. Oh, c'est vraiment excellent. Alors, ensuite, est-ce que je mets à jour l'armement? Ou est-ce que je pars direct doctrine offensive? C'est vrai que là, il y a domination aérienne. Ah, ça, c'est 70 jours. Je sais pas si je vais faire tout de suite une petite réforme de l'armée. 35 jours réforme de l'armée, c'est pas mal. Je vais peut-être faire plutôt les trucs qui donnent un petit peu de. D'usine militaire en plus. C'est toujours bien ça. Toi, je vais te mettre. Un petit peu. Bonjour, Alexis. Alors. Que cherchais-je? Ça. Ça finit le 7 juin 37. Et même réviser la Constitution, ça finit plus tôt. J'entendais, donc j'ai encore le temps de faire un paquet de trucs. Hein, donc, Ah, il y a même ça, il y a des petits événements un petit peu aléatoires comme ça. Nouvelle de notre empire, 36 villes à France, 15 000 d'effectifs. Que demander plus? On va partir, on part sur la pipiou. On va avoir besoin de beaucoup de pipiou. Et tant que j'y suis, on va reprendre un petit peu la division d'infanterie là. On va la reprendre, on va la dupliquer. On va la. Ah, stop! Je dis donc, on va dupliquer, ce sera du coup pour de l'attaque. Elle aura une apparence de ça là, parce que c'est Napoléon, les chevaux. Et on va lui mettre un petit peu d'anti-aérien. J'ai rien d'autre et je crois que ça me coûte, ouais, ça me coûte 25 de faire ça. Donc voilà. Et vu que je. Ah, ben, j'ai oublié de la mettre en priorité haute, évidemment, vu que c'est l'attaque. Et du coup, mes 24 premières divisions, je vais les transformer en attaque. Et à chaque fois, on va rajouter des trucs petit à petit. Dans la recherche, du coup, j'ai fini la radio. Nous ne sommes pas encore. Enfin, on est bientôt en 37 quand même. Je pourrais commencer en vrai, mais le calculateur mécanique, c'est très très bien aussi. Usine militaire, ouais. D'un coup, les fusils, ils manquent. Mais c'est pas trop grave parce qu'en mangeant Belgique, Pays-Bas et tout, on va vraiment d'un coup.
avoir une quantité de fusils incroyable. S'engager dans l'industrie aéronautique, ça va nous donner des petits avions en plus. Et ça, du coup, on peut la modifier directement, rajouter. Je viens de voir que j'ai 25 de hop, artillerie, hop, clac. Et donc, forcément, cherche dans l'âtre, tu vas devoir te réentraîner. 25. C'est long, j'ai besoin d'un gars. Ah, je peux en avoir un. Ah, il coûte cher. Bon, après, gain d'expérience aérienne, j'avoue 10%, c'est pas mal. Je vais commencer à le faire, comme ça, je peux. Dès que je débloque mes avions, j'aurai assez d'expérience pour le sortir. Est-ce que je peux encore vendre du matos? C'est encore trop cher ça. Bon, on va baisser le prix de encore un peu. Là aussi, on va baisser les prix, tiens. Hop. Comme ça, plus de gens vont peut-être acheter, ou alors les gens vont plus m'aimer, je ne sais pas. Oh, ça va tellement vite, ça fait plaisir. Ça fait plaisir des trucs qui ne durent pas 70 ans. 70 jours. Donc, on va améliorer un peu les infras ici. Ça, c'est amélioré à fond. Ça, c'est amélioré. C'est dommage qu'on n'ait pas la SNCF du coup, mais bon, c'est pas grave. Pas très grave. Et ensuite, bah, du coup, une fois que ça s'est amélioré, on va pouvoir partir. J'ai fait le centre. Oui, j'ai fait le centre. Du coup, tout ce qui est à 180, bam, blam. Voilà. Comme ça, on a plein d'usines. Les pipios. Pas que les pipios. Support et... forcément, je rajoute de l'artillerie et de l'antiaérien. Tout ça coûte. Est-ce que militariser à Capra des usines civiles, c'est pas mal. 35 jours en plus. Pas mal. Allez hop, c'est t'y part. Qui s'entraîne, t'inquiète pas Orly, il va falloir que je te rajoute des trucs et toi aussi. Je peux enfin améliorer ça. Est-ce que t'as un trait intéressant toi? Non, t'as pas de trait intéressant toi, t'as peut-être... Ah ouais, toi. Expert de l'infanterie, non, 15. Putain. C'est pas pour tout de suite les traits. Usine militaire, pipiou. Qu'est-ce que je pourrais... Je pense que je vais partir après sur le libre-échange dès que je pourrais... Combien c'est déjà 7 juin 37. 8, 19 novembre, ouais, j'ai le temps de faire pas mal de trucs quand même. Industrie disséminée, excellent. Est-ce que je pars vu que je suis quasiment 37 en vrai? En vrai, oui. Oui, après que j'ai fini les avions et le calculateur, je pars sur l'infanterie. Ah non, sur les... Sur les radars plutôt. C'est combien de temps là? 33 minutes, ça va, le temps passe comme des voitures. La merde. Militariser. L'industrie du moteur, moteur à réaction. Les obus fléchés. Non, c'est pour les chars, on va pas forcément en avoir besoin. Programme d'armement supplémentaire. Ça peut être intéressant ça de voir ce qu'ils disent. On va faire améliorer l'industrie du moteur. Et l'autre juste derrière, et après je pense que je partirai sur... Dès que ça c'est fini, je vais direct faire un chasseur. Et une fois que ça c'est fini, j'ai envie de voir ce que ça fait le programme d'armement. Et après je pars à mon avis sur tout ce qui est doctrine offensive, domination aérienne, notamment, ce qui est pas mal. Et... Ah merde, la SNCF, bah, c'est trop tard pour la SNCF. Peut-être plus tard. Ah, ou le petit nationalisme français aussi, je crois que c'est des événements qui durent pas trop longtemps. Ça peut servir pour contrôler un peu la Chambre des députés, parce que j'ai encore la French Military Junta, et moi je veux le parti non aligné. Pom pom pom, on en est où de ça, la crypto? 209 jours, oui, ça va le faire. Ah, la petite cellule, excellent. Donc, déjà, on peut améliorer ça, gain de productivité... Ça ensuite, est-ce que je recherche des trucs en ingénierie? Non, est-ce que je vais commencer à partir là-dessus sur le matos quand même? Je vais pas non plus trop tard, enfin en 38, je vais partir en guerre, mais alors, du coup, là ce sera le chasseur 1. Armement, on va lui mettre 2 canons plus 4 mitrailleuses légères, son modèle le plus important, bien sûr.
Bien ça. Tiens. Moteur, on veut un moteur de niveau 2. Électronique, j'adore la radionavigation. Pénalité de nuit, moins 10, j'adore. Même s'il intéresse aussi le bombardement stratégique, mais j'adore. Les composants spéciaux, malheureusement, c'est pas assez intéressant. Je vais prendre une petite tourelle défensive. Il y a aussi cette nouvelle tourelle, il me semble qu'elle n'était pas avant. Mais elle est trop lourde, donc hop. On a bien le Moran Saulnier, on va le sauvegarder. On a notre chasseur en petite cellule. Mon ami vient là, tu vas te mettre une bonne priorité. Et je me rends compte que je suis un abruti fini parce que je n'ai pas rajouté mes groupes industriels à mes piou-piou. Toi, t'en as pas, mon artillerie. Toi, tu auras ça. Et mon artillerie anti-aérienne. Toi, tu dois avoir également le même truc. Ça. Et surtout, ne pas oublier les Kamtars. Merde. Les Kamtars, disais-je. Hop. Ça va un peu ralentir le temps que j'ai... le temps que j'ai pour changer mes unités, mais c'est pas très bon. Alors, ça, c'est fait. Merde, il me faut un truc. Priorité, fonder la DMA. Ah merde! Ah merde! Dommage. C'est pour les blindés. J'aime bien les usines militaires, mais bon, les blindés... Ah merde, je pensais que j'aurais ça direct. Ah dommage, 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 dommage. SNCF, c'est trop tard. Doctrine offensive. J'obtiens que Maurice Gamelin, c'est ça qui est un peu chiant. Après, ce que j'aime bien, c'est ça. Confère puissance de feu, article tracté. Ça c'est bien, mais pour moi domination aérienne est trop important. Je vais vérifier quand même si j'ai rien ailleurs. Ah, il y a nationalisme français. La droite libérale, ça va me faire gagner de la popularité non alignée, fasciste, toutes ces sortes de choses. Allez hop, c'est parti. Et issu avion. Tout le monde est bon là, tout le monde est entraîné. Nationalisme français, voilà, on gagne des gens. Et ensuite, intégralisme. Oh, pas mal ça, Charles Maurras, gagne poids politique, plus 15% stabilité de l'air, plus 0,10, pas mal. Détruisons la décadence. Jetons ces démocrates ou je ne sais quel croméniste. Par-dessus bord. 37 c'est juin, 37 que j'aurais pu la révision de la constitution, donc bon, je peux encore attendre. Mais comment là on est bien. Maxime Végan, tu seras à un moment donné un défenseur, donc autant te donner maintenant le défenseur inflexible. Ce sera pas lui mon attaquant ça va être une petite surprise. Embargo. Les Italiens sont des faquins. J'ai l'impression que personne veut m'en acheter. J'ai bradé les prix pourtant. Que nous dit mon aviation? Vous êtes tous bien entraînés, les boys? Non, tout le monde n'est pas entraîné. Ça dégoûte. Hop, hop, hop. Tu vas continuer à t'entraîner, mon salaud. Je pense en cryptage doit être pas mal. Ah, mais j'ai arrêté de faire des... je vais en apprendre sur la marine un peu. Papa SD et intégralisme, tiens. Et après, on a le choix entre travail, famille, patrie. C'est pas mal. Est-ce que je peux voir un peu mes stats là-dessus? Non, je suis obligé d'être en guerre. En guerre, tu comprends ça? En guerre. Est-ce que je peux voir les stats? Registre des renseignements, merci. Pas mal de convois, quelques trucs, quelques usines, quelques ports. Au niveau de la marine, j'aimerais bien savoir comment ils sont. Marine. Ouais, ils ont une sacrée flotte d'enculés. On va pas se mentir. Sandus, on va continuer à attendre. Je vais quand même finir le premier épisode en ayant ce cheval à Napoléon. Allez, allez, plus vite le jeu, plus vite, hop, hop, hop. Je suis en train de rien négliger, non, je suis en train d'obtenir... Oh. J'ai mitrailleur, parfait, on va continuer à améliorer ça, ça c'est pour 38. Ah ouais, mais le petit 100% là. Aïe.
plaisir. Il y a peut-être autre chose quand même que je peux débloquer. Hein. Au niveau de l'industrie. Faut que j'avance sur l'industrie. J'ai négligé là, en faisant les piou-piou, mais. Les piou-piou, d'ailleurs, en parlant de. Attaque légère, fiabilité, hop. Amélioration des piou-piou. Service mère, on va améliorer pour vraiment tout avoir là. Je veux pouvoir décrypter à fond le code anglais. Ça va donner davantage pour embarquer dans le canal. Parce que sinon, la Manche, elle est impassable. Intégralisme, excellent. Ok, détail. Et là, je peux faire un petit travail famille-patrie. Gain de productivité plus 10%, stabilité de base plus 10%, patrie plus 10%. Tout est très intéressant. Nous sommes le 21 mars, donc ça va pour le moment. Petit capitaliste, non, il m'en faudrait plus. Ah, j'avoue, je peux en faire en plus 21 jours, c'est vraiment pas long. Soutien à la guerre. J'avoue, soutien à la guerre, il est pas ouf. Allez, hop, petit patrie là. Il faudrait que je commence à améliorer un petit peu mes infanteries. D'ailleurs, comment ça construit là? Ok, c'est militaire. Toi, modifié. Toi, j'ai rajouté. Ah oui, je sais ce qu'il faut que je recherche. C'est mes trucs de soutien. Hello, Vongolaz, non. Vincent. Patience. Je pourrais rajouter pour. Ça va me coûter super cher. Allez. Partons sur doctrine offensive. Ça va me donner XP en plus. Super. Donc, si toi tu viens là. Construire là. Je fais toutes les constructions en même temps là ou... Ouais, non, je vais commencer à partir quand même sur ça. En plus, j'ai un. Comment ça se fait? Hôpital de campagne, je voulais, du coup, ça me va. Là. Combien il coûte, monsieur homme de confiance? Non, c'est pas ça. Monsieur nationaliste intégral. Ah putain, il faut encore que j'attende. Qu'est-ce que je pourrais avoir en attendant? Pas obligé de dépenser mon point. Hein. J'ai envie de le dépenser. Putain. Non, je vais le garder, Avion. Modifié. Non, rien m'intéresse là-dedans. Par contre. Oula. Division alpine, vous êtes utile. Toi, tu fais. Ça, radar. Division alpine, je disais donc. Viens là. Là. Modifié, on va te rajouter. Sur. Artillerie. Et après, je rajouterai du coup anti-aérien, etc. Clé du génie. Silence. Ok, détails, qu'est-ce que je peux améliorer encore? Bon, on va améliorer les coûts radio, tiens. Hop là. Et après, peut-être que j'améliore un petit peu, parce que ça coûte quand même un petit peu de... Doctrine offensive, ça, c'est fait. 16 mai, on a dit c'était le 7 juin. Il faudrait un truc qui prenne vraiment pas de temps, là. Qu'est-ce que j'ai? SNCF, c'est trop tard. Trop tard, SNCF. Trois usines militaires, développement, réaction. Bannir le communisme. Ah, je sais pas. Intervention en Espagne, non, je m'en fous. Ça, c'est 56 jours. Pas 70, mais 56 jours quand même.
Une petite armée de l'air, là. Allez, une petite armée de l'air, là. Des bases aériennes, il n'y a que ça de vrai. Ah oui, merde. Merde, coque de destroyer. Alors, toi, tu vas chez lui, là. Et tu vas te rejoindre. Et l'autre, là, le sous-marin, il va chez lui. D'ailleurs, j'ai mal organisé ça, je viens de me rendre compte. Ouais, c'est très mal organisé. Toi, tu vas scinder. Scinder. Rescinder. Voilà, il m'en faut 4. Comme ça, chacun va s'attaquer à un endroit de la mer différent. Toi, tu restes comme t'es. Par contre, ce que je peux faire. Ce que je peux faire, c'est que sous-marin, tu vas directement sur. Ok, bon, je vais te garder. Destroyer. Il va me falloir 2 destroyers en fait. 2 lignes de destroyers. Destroyer. Qui sera du coup. Il y a la flotte d'escorte et la flotte d'escadre. Navire d'escadre. Donc le. Navire d'escadre, lui, son rôle, c'est d'aller protéger lui. Et le navire d'escorte, son rôle à lui, c'est d'aller protéger les convois. Il a bien retenu? Il a pas du tout retenu. Comme ça, c'est good. Et là, il y a quoi, là? Destroyer. Merde. Bon, hop. On prend eux et on les fout ici. Le plus important pour l'instant, c'est surtout de protéger la flotte principale. Eux, on les fout tous ici. Clac, clac. Toi, tu vas là. Ouais. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Ça va être un petit peu chiant à manager ça à chaque fois. Mais bon, c'est pas bien grave. Il me faut de l'artillerie. De l'artillerie. Ah, toujours pas le nationaliste intégral. Hein, toujours pas. Par contre, le libre-échange. La révision de la constitution va arriver. J'aurais peut-être dû laisser passer, mais bon. Pas très grave. Merde, j'ai même pas lu. Ah, suffit. Organisons un petit défilé. Écoute radio, ok. Ça. Hop là, l'entraînement. Ça. On tue rien. Je vais avoir besoin de Kemtar, moi. Donc, ça également. Et on est parti. Jean Lattre, il va être grotesque dans cette partie. Celui qui va tout prendre. Hôpital de campagne, excellent. On va pouvoir les rajouter. Et moi, je veux les clés de transmission. J'y vais toujours avec le ravitaillement, mais les clés de transmission, c'est vraiment bien. Ce qui va nous permettre, du coup, ici, de modifier pour ajouter. Hop là, les hôpitaux de campagne. Là, ils peuvent venir. Division infanterie alpine, on va y rajouter clé du génie et anti-aérien pour l'instant, vu que j'ai pas assez d'XP pour faire plus. Armée de l'air, excellent. On va pouvoir partir maintenant directement sur le Third Reich, le référendum de Napoléon. 35 jours. Et j'ai obtenu ça. Hop là, vol en formation. Ah voilà, il faut les re-entraîner maintenant. Hop. Non, mince. Hop. Pom, 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 pom. Bon, il y a toujours un petit peu d'attente, mais. Ça, on vaut la chandelle, vous allez voir. Je crois qu'il y aura la petite tête de Napoléon ici, vous êtes tellement content à la place de Pétain. Elle est bien, Pétain, il a fait son job jusqu'à Napoléon, mais vous allez voir que Napoléon. Il claque. Disons simplement que. Il claque. Construction, ça se passe comment? Ça se passe très bien, ça va pas s'arrêter. Sous-marin, on va reprendre les ouvriers. Pourquoi t'es pas allé direct chez lui? Tu semblais pourtant avoir dit là-dedans. Ah non, putain, il me l'a pas mis. Ou alors je ne l'ai pas mis. Ouais, c'est moi qui l'ai pas mis. J'ai décidé de. Ok, c'est bon, on a fait le code de l'Angleterre. On va s'occuper maintenant celui du Reich.
Le référendum de Napoléon, excellent. Proclamer le Troisième Empire. Napoléon va diriger le parti, on obtient ça. On va améliorer l'artillerie, super important. Là, la seule chose qui manque à mon infanterie, c'est du coup la clé de renseignement. Et toi, il faut que je te rajoute encore genre l'artillerie d'appui. Oui, non, j'ai plein de pots politiques, j'ai même pas fait gaffe. Est-ce que je peux enfin prendre monsieur nationaliste? Même pas. Ah, est-ce que je me prends un mec ici? Attaque de combat, j'aime beaucoup l'attaque de combat, allez hop. Attention. C'est bizarre parce que je viens de leur amener du matos et ils n'ont pas parlé. J'aurai besoin de beaucoup de matériel comme ça, vu que je rajoute pas mal d'infanterie en plus. Enfin, pas d'infanterie, mais de... Ça, de compagnie de soutien, pardon. Allez, le Troisième Empire. Hop, 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 hop. Vite, vite, vite. Ça, c'est pas tout de suite. Alors... Personne n'a besoin de s'entraîner ici, vraiment. C'est bon, hein. Ah, c'est bien ce que je pensais. Il y en a au moins un qui s'entraîne. Alors, industrie disséminée, très bien. J'ai besoin de ça, machine-outil améliorée. Et après, on part. Après ça, je pars full. Full piou-piou. Hmm. 11 septembre 37. Nouvelle de notre empire. Oh. C'est cadeau! Ah, oh, mais c'est cadeau. Est-ce que je me prends un petit... qui jette bien en entraînement aérien. Ah, pas mal. J'aime bien avoir des mecs bons en l'air. Supériorité aérienne, c'est bien. 10%, putain. La logistique terrestre, c'est très bien aussi. Ah... Allez, on va augmenter les chances d'avoir des as. J'aime bien avoir pas forcément beaucoup d'unités, mais qu'elles soient très qualitatives. Ah, proclamer le Troisième Empire. En plus, on peut changer la date de la fête nationale et question du palais. Évolution de la population, 5%, stabilité de base de 5. Population fasciste, ça m'intéresse pas trop ça. Popularité de démocratie, certainement pas. Bon, allez, prenons ça et on a le choix. Palais de l'Elysée ou... Bien, la stabilité de base. Je suis comment là en termes de non-aligné? Oh, ouais, ça va. Ça va augmenter. Ah, voilà, le GOAT. Pardon, excuse-moi. Napoléon 6, pas 4. On va garder le palais de l'Elysée, tiens. Et on va prendre notre nationaliste intégral. Enfin, on l'a. Ça va être pas mal, ça, pour le pot politique. Ça, toi, tu vas aller chez Orly, tiens. Et maintenant... Oh, le drapeau. Pardon. Je suis le déluge. Et ça aussi, très très bon avantage. On a Je suis le déluge avant d'avoir les autres. Normalement, on est censé faire venger Waterloo... châtiment de Sedan, retourner à Borodino et après on a Je suis le déluge. Là on l'a en premier et c'est un excellent bonus. Même si c'est 70 jours, c'est un excellent bonus. Les autres bonus sont incroyables. Cette branche, j'ai lu un peu, c'est génial. La grande armée. Vous faites la grande armée. Excellent. Allez hop, Je suis le déluge. Faut quand même qu'on parte en guerre là. Allez, est-ce que je pousse jusqu'au moment où j'aurai. Ouais, allez, je pousse un peu. Vive Napoléon 6, excellent, excellent. Et. Si je dis pas de conneries, ouais. Si je dis pas de conneries, j'avais aussi trouvé ça, attention, attention, nanana, nanana, mener de l'avant, Napoléon 6 devient maréchal, et là, là, là les boyos, on va se mettre bien, parce que là, Napoléon 6 devient le maréchal de France, maréchal de France, messieurs dames, de France, doctrine offensive. Il en a plein, je peux avoir progrégionateur, charismatique, mais j'ai pas assez de... Et du coup, tous mes boyos, ils vont aller là. Désolé les gants, hein, tu disparais malheureusement, mais... Et on peut même en faire un gain de l'attaque terrestre, mais j'ai toujours pas assez de puissance de commandement. Ce qui fait que je peux en faire... Là. Un officier, enfin un chef de l'armée de l'air. Ça, ça, ça.
Ok, très bien. D'accord, passons à contrôle de tir ou est-ce que je commence quand même à faire ce genre de choses? Bah déjà l'artillerie, j'ai amélioré l'anti-aérien là. Enfin non, l'artillerie tout court. Et ça, j'étais dans quoi moi? La construction c'est déjà en cours. Ça peut attendre en vrai ça. Ça, c'est une bonne priorité, ça c'est fait. Ouais, on va commencer. Je pense que c'est plus important de partir sur une bonne artillerie, là, comme ça je peux vraiment taper la gueule à l'anglois. Ça, peu de chance que je perde, je ne vais pas faire de mécanisé, mais... Et j'en ai encore un autre. Qu'est-ce que c'est, ça? Attaque légère, gain de productivité... non, il faut plus d'attaque légère et persif, il faut que mes pupios soient meilleurs. Je vais avoir les meilleurs pupios du marché. Ok, pas mal. On enchaîne, putain, Napoléon Maréchal, ça fait plaisir, ça c'est un petit rajout du truc qui donne le sourire, quand même. Mais il faut encore que modifier et je dois rajouter, allez avec les transmissions, allez je passe à 10, plus vite, 10, hop là. Voilà, je vais faire pareil pour Orly du coup. Lui, pour l'instant, il a pas d'unité, c'est pas trop nécessaire. Qu'est-ce que... Ça fait bientôt une heure la vidéo, là, quand même. Je veux bien que je sois le déluge, après ça prend quoi, 7 jours, et venger Waterloo, 56 jours. J'aimerais quand même finir le premier épisode sur juste avant de partir en guerre. Donc, ouais, premier épisode un peu long, mise en place jusqu'en 38, 37. L'année 38, elle va être... Comment dirais-je? Chargé. J'ai pas vraiment d'autres mots. Est-ce que je commencerai pas d'ailleurs à donner mes petits bons hommes là? Qui vas-tu avoir, Jean-Marie Attal? Jean-Marie Abrial. Tu seras le chef des sous-marins. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je regarde. Qui pourrait être pas mal? Jean Décou. Attaque des sous-marins. Ah merde, c'est lui que j'aurais dû mettre. S'il est spécialisé en sous-marin, c'est mieux que j'ai lui. Je vais prendre positionnement, risque de dégâts critiques, vitesse des navires. On va prendre lui. François Darlan qui va être le chef de... Non. C'est donc François Darlan. Changeons-le ici hein, directement. On va prendre Jean-Marie Gabriel. Et là, on va prendre François Darlan. Ah. Dur de... Dur. On est entraîné là. Qu'est-ce qu'il me reste dans la division alpine à rajouter? Ouais, il me faut une vingtaine d'expériences là pour rajouter les deux qui manquent. Je suis le déluge, excellent. Allez, on enchaîne directement. Opération européenne, gain de poids politique, Caetera, Caetera. D'ailleurs, le poids politique, ah, c'est beaucoup mieux là, tout de suite, dès qu'on a... Enfin, moins de malus, c'est tout de suite mieux. On va garder un peu de moula, comme ça, dès que... De moula, de poids politique, comme ça, dès que je rentre en guerre, je peux changer. Et venger Waterloo, 56 jours. Allez, hop, c'est parti. Population recrutée à 3%, c'est excellent, ça. Vraiment, là, on n'a jamais eu autant de pop en début de partie. Ok, l'artillerie... Ouais, je vais mettre un petit plus en artillerie. Et ça dit, là, les avions, je peux rajouter des escadrilles, hop. Et on met tout ça en claque. D'accord. Allez, on s'entraîne. Alors, le code c'est toujours bon, hein. Ouais, c'est bon. Le décryptage, pardon, est toujours bon. Toi, tu vas... contrôler le réseau dormant. Toi aussi, hein. Comme ça, vous risquez pas de vous faire choper, mais on garde des bonus. Tant que j'y suis, on va peut-être commencer à se placer. Toi, tu te mets là.
et tu vas me faire une belle ligne de front là, comme ça. Tac, 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 tac. 24 divisions, et on va dire c'est Orly qui s'occupe du Luxembourg dès que je lui aurai déclaré la guerre. Orly, comme ça là. Voilà. Tout le monde se place maintenant. Et ce. Pourquoi t'es. Tu devrais être dans l'un des deux normalement. C'est pas normal que tu sois pas. Alors, on a fait ça, 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 c'est trop tôt. On va repartir sur la recherche, je pense. Vérification, ça c'est 39, ça je fais pas tout de suite. Le mas 38, ça peut être pas mal, mais qu'est-ce que je suis déjà en train de rechercher, des pipiou. Ouais, je vais débloquer ça directement après, donc autant. Mas 38. Et directement. Artillerie de l'entre-deux-guerres, on va passer sur ingénierie, hop, système de contrôle de tir. Et productivité, toujours avoir la productivité à balle. On est comment la venger Waterloo? Ouais, on va l'atteindre bientôt. Hein. Ouais, début février, on l'aura. Fin janvier, début février. Est-ce qu'il y a un autre mec que je pourrais prendre ici? En vrai, j'aime bien avoir un petit poste d'agent. Ça. Ah oui, tiens, tant que j'y suis, hop, division d'infanterie, toi. Hôpitaux. Et le petit, lui, que je viens de débloquer, il était là-dessus. 39. Ouais, j'ai vraiment plus rien de spécialement intéressant, on va dire, ici. Ah, 39, c'est tôt, quand même. Allez, on va partir sur de la recherche alors. Allez, dépêchons, dépêchons. Ah, ça fait déjà une heure passée là, l'épisode quand même, c'est. Dès que Waterloo commence, on arrête l'épisode, je reprends direct pour le stream. Et pour ceux qui sont dans l'épisode, ça va être un bon cliffhanger, comme on dit. Faire une heure pour juste aller en 38, c'est terrible. Pas mal en termes de convoi. Toi, évidemment, tu seras en mode violent. Venger Water, excellent. 30 janvier, putain. Incroyable. Tout le monde est bon, tout le monde a planifié. Ok, parfait. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis ciao à tous et à la prochaine. Pour les gens du stream, ne vous barrez pas, évidemment. On va enchaîner. Je vérifie juste que tout fonctionne bien. Sur YouTube, il y a du monde. Sur Twitch, ça fonctionne. Ok, tout fonctionne bien, parfait. Parfois, OBS a tendance à me foutre le zbleu. Démarrer l'enregistrement. Oui, je pense à sauvegarde, on a un Iron Man. Et bonjour à tous, ici Vigo pour la suite de notre esprit sur Gloire et Triomphe de Napoléon Bonaparte. Nous avons enfin débloqué Venger Waterloo. Il est maintenant l'heure de s'attaquer aux Pays-Bas, à la Belgique, enfin la Belgique d'abord, puis les Pays-Bas, le Luxembourg en même temps, vu qu'avec ce mode on a un petit but de guerre supplémentaire, et après on va s'attaquer à cette chère Angleterre. On va essayer de faire ça sur ces deux épisodes. Mais d'abord, on va imiter Napoléon Ier. Et hop, c'est parti. 35 jours, et Napoléon va obtenir de super bonus, déjà qu'il est maréchal le Bockhaus. Et je me rends compte d'ailleurs que toi, mon cher, tu seras du coup avec ce cher à Wegan. Et ton rôle à toi, c'est de protéger en cas de invasion navale de l'Angleterre ou autre. Donc, clac, clac. Ici aussi, ici. Ici partout, excusez-moi, je vais partir en guerre immédiatement. Le temps de m'occuper de ça. Et dans le même temps, on va rajouter quelques brigades coloniales pour justement ce cher de Gaulle. On va faire petite dizaine et on va le mettre là et ce sera relié du coup à Daigol. Voilà. Donc, maintenant, il est l'heure, nous sommes en guerre, il est l'heure de dire à la Belgique bonjour Belgique, au revoir Belgique. Et dans le même temps, bonjour Luxembourg, au revoir Luxembourg. Mes avions, j'ai pas du tout fait gaffe aux avions, c'est une grosse connerie. J'aurais dû préparer ma flotte avant de faire ça, mais bon, c'est pas
grave. Partons du principe que ce n'est pas grave. Voulez-vous? Toi, je vais avoir un mal fou avec... On va prendre un truc comme ça. Toi, tu vas te mettre en force de frappe, genre là et là. Même si, bon, je m'attends pas vraiment à... beaucoup me battre, on va dire. Via ma flotte marine contre eux. Ici, j'ai 2000 bons hommes qui sont prêts à se battre. Là, ils vont se battre, du coup. Plutôt là. En plus, le choper le Luxembourg, ça me permet d'avoir ça. Ah, si je me mets là. Et tout le monde en ça. Non, pas en ça. Tout le monde en ça, puis ça. Ceux qui peuvent. Et les autres... on va voir ceux qui foutent rien. On va dire. Mince, j'ai appuyé sur play alors que le plan n'est pas encore lancé. C'est parti! Évidemment, c'est tout ouvert. Ok, tout le monde, la fin de la Société des Nations, etc. M'en fous un peu. Vous. Vous allez. Fouah. En vrai, pour l'instant, faites rien, tiens. Faites rien. Faites rien, vous avez pas besoin. Vous avez pas besoin, vous avez pas besoin de faire. Voilà, ils sont en train d'aider, ils sont en train d'aider, et ça, ça. Voilà. Luxembourg est pété. Excellent, le Luxembourg est pris. Et la Belgique ne devrait pas tarder à... Voilà, le Luxembourg est pris. La Belgique ne devrait pas tarder à tomber. Bon, en vrai, tu peux t'arrêter. J'ai plus spécialement besoin de toi. Avion, vroom vroom. Expérience, on a gagné un petit peu. Du coup... qui suis-je? Où vais-je? Et à qui ai-je l'honneur? Ceci... Transmission, voilà. Donc toi, tu t'es amélioré un petit coup. Bah écoute, mon pote, on va pour l'instant te garder sous le coude. Au cas où... au cas où il y a des velléités d'un autre côté. Il me refaut des pipiots. Napoléon Ier est meilleur que Napoléon III. Bah c'est pour ça que je l'ai pris, cher Aiden. Qu'est-ce que je... Ah, ça. Ceci, obligation. Plus de 25% en soutien à la guerre. J'ai pas assez de soutien à la guerre. Un salaud. Vitesse de recherche industrielle, vitesse de recherche, réseau, vitesse de recherche, vitesse de construction des nœuds logistiques et voies ferrées. C'est pas mal ça. Priorité SNCF attente. C'est dommage ça. Soutien au sol, on va l'améliorer. Mais d'abord, logistique terrestre. Je préfère avoir un peu de logistique pour quand je serai justement en Angleterre. Je vais peut-être améliorer mon soutien à la guerre, tiens, tant que j'y suis. Propagande. Voilà, hop. Ça devrait créer moins de sushi. Voilà, la Belgique est prise. Alors, pour ce qui est du Luxembourg, on prend tout, bien sûr. Ensuite, pour ce qui est de la Belgique, on va... Alors, on va... Entoche tout ça. Tout ce qui n'est pas territoire national. De Burundi. Et on va s'emparer de... Tout ce qui est territoire national, du coup. C'est les Flandres et la Wallonie. Mettre. Il ne reste plus rien, c'est tout à fait normal. Confirmer et sortir. On s'arrête. Cher! Cher Pays-Bas! Bonjour. Là, pour le coup, on va y aller plus prudemment. J'ai besoin qu'il appelle les Indes orientales néerlandaises, sinon ça va déconner. Ce qui fait que toi, tu peux te mettre en... Mais j'attends juste que tout le monde se replace bien comme il faut. Et après, on va attaquer immédiatement. Ok, c'est parti. Déclarer la guerre. Avoir les Pays-Bas, ce sera excellent. Et c'est parti. On avance. Je vais essayer de m'arrêter quand même avant de prendre Amsterdam. Ah, c'est bon. Ils ont appelé les Indes néerlandaises. Et bah, c'est parti, mon pote. Parce que comme ça, je vais pouvoir choper les Indes néerlandaises. Et dans les Indes néerlandaises, il y a de l'excellent pétrole. Ouais, c'est encore plus vite que prévu.
Alors, fantoche, les Indes néerlandaises, tout. Les Antilles néerlandaises, tout. La République de Suriname, tout. Et pour les Pays-Bas, on va récupérer du coup tous les territoires nationaux également. Donc déjà, si je soumets ça, ça donne quoi? Voilà, ensuite on récupère toute la marine, évidemment. J'ai besoin de bateaux, parce que là je vais m'attaquer aux Anglois. Et ça va pas être évident, les Anglois. Alors, l'énorme avantage maintenant, commerce, c'est que pour le pétroloum. Vous voyez les Indes orientales françaises? Dès que je leur demande 1, ils me donnent 46. Alors que si je demande aux States, pour 1 d'usite, j'ai que 8. Parce que c'est mon fantoche. Ils sont obligés de me donner un paquet de fric. Donc ça, ça va régler une énorme partie de mes problèmes d'essence. Et dans le même temps, je peux aller là-bas et faire renforcer nos garnisons. Ce qui va me rajouter beaucoup d'hommes. Évidemment, ça parle en pourcentage, mais c'est extrêmement pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans que j'ai pu récupérer là? Déjà tout ça en Afrique. Il y a des trucs que j'ai récupérés là en Afrique, non? Empire français. Ah, j'ai fantoché, du coup, c'est... Non, pourtant, je l'ai fantoché, je l'ai pas conquis. Congo français, voilà, c'est ça que je cherchais. Je sais pas où sont les pays sur la carte. Maintenant, il est l'heure pour Jean Lâtre de Tassigny de faire le mouvement du Coat. Nous allons attaquer Norwich. Du coup, cher Jean Lâtre, nous sommes en guerre, exactement. Alors, je disais donc, ceci, toi tu vas aussi réveiller le réseau d'espions qui est ici. Cher Jean Lâtre, tu es où? Jean Lâtre, tu es là. Nous allons donc faire une invasion navale avec ce cher Jean Lâtre. On va prendre, on va faire avec 4 directement ici et 3 et 3 ici. 4 ça va prendre du temps quand même, on va faire plutôt avec 2. Quitte à en avoir... On va partir du coup de Dunkerque, et on va en mettre un qui se rend là, puis tac, un qui va là, puis tac, un qui va là. Ça fait du coup 3, un qui va là, et... Le petit dernier, parce que c'est 10 maximum malheureusement, qui va directement à là. Ouais, c'est pas mal. 14 jours. Il faudra attendre 14 jours. Ensuite, toutes mes troupes, je pourrais les envoyer... Et on va un petit peu ralentir, j'aimerais quand même m'occuper de ma flotte. J'ai une nouvelle flotte qui est apparue. Alors, toi, on va prendre les sous-marins. C'est la flotte luxembourgeoise. Sous-marin, tu vas te rendre là. Merde. Sous-marin, disais-je, tu vas te rendre là. Alors, toi, qu'est-ce que tu fous là, toi? Là, déjà. Et ensuite, toi, je peux te diviser facilement en 4. Donc, tac, tac. Donc, toi... Ah, excusez-moi, je réorganise ma flotte avant de m'attaquer à ces maudits Anglois, c'est assez important. Voilà. Et ensuite, toi, tu seras la flotte principale. T'étais la flotte principale. Donc. Pardon, toi, là. Voilà. Et vous. On va enlever cet ordre. On va tout refaire. On va tout refaire un petit peu tranquillou. Voilà. Comme ça, je suis assez sûr de qui fait quoi. Ça me va. Est-ce que c'est compliqué le navet sur H? C'est un peu... Faut rentrer dedans. C'est pas aussi compliqué que ce qu'on pourrait penser à première vue. En soi, tu t'en sors. Faut comprendre le principe de base. Je peux te faire un micro-tuto rapidos. Tout ce que tu vois là, les CU, BB, CAD, machin, ces croiseurs, les porte-avions, tout ça... C'est ce qui doit constituer ta flotte principale. Tes porte-avions, tout ça, c'est ta flotte principale. Ici, tu as les destroyers. Tu retiens bien les destroyers. C'est en fait les plus, comment dirais-je, polyvalents. Et ils servent d'écran.
donc de protection. Donc en fait, quand tu as un combat, c'est eux qui vont prendre les dégâts avant eux. Et ensuite, c'est les convois. Tout ce beau monde protège ensuite les convois. C'est pour ça que si tu veux organiser ta flotte, quand tu es débutant, bon, déjà, il n'y a que quelques pays qui ont une bonne flotte, genre Angleterre, États-Unis, Japon, France, Italie. Donc déjà, il faut jouer un de ces pays, parce que partir de zéro avec un naval, c'est vraiment très long et fastidieux. Donc pour organiser ta flotte, le mieux, c'est de foutre tes sous-marins tout seuls, tous ensemble, et tu les mets en attaque de convoi. Ils servent à ça. Ils sont nuls pour toute autre chose que l'attaque de convoi. Et tu mets un. Tu prends tous tes destroyers, tu les divises en deux. Une partie, tu les mets qui sont affectés à la protection, à l'escorte des convois, et l'autre qui est affecté aux écrans, justement, à la protection du coup de ta flotte principale. Et juste avec ça, t'as, on va dire, la base d'organisation de la flotte dans Heart of Iron. Après, il y a évidemment les schémas de construction de tes bateaux et tout. Mais ça, on va dire, pour les sous-marins, ça peut aller, c'est pas très compliqué. Disons que tu mets les meilleures torpilles, tu mets ce qu'ils te proposent et ça passe, quoi. J'ai oublié de mettre ça. Sur la salle des torpilles, tu peux mettre les torpilles les plus efficaces. Et ça passe, après t'as changé le moteur, il y a des petits trucs en plus qui se rajoutent. Pour les destroyers, c'est un peu ça, ouais. Tu pars un peu sur le même principe, tu essaies de prendre le meilleur. Et là, on va dire que ce qui est utile, c'est parfois les radars pour repérer les sous-marins, justement. Navire d'escadre, on va mettre. Ici, dès que j'ai les radars, tu peux les rajouter, comme ça ils repèrent plus facilement les sous-marins. Parce qu'ils servent à ça, les destroyers. Quand ils escortent les convois, c'est aussi pour repérer les sous-marins et niquer. Et ça, tu peux du coup mettre le meilleur anti-aérien pour protéger justement de. Pour protéger justement des sous-marins. Canon anti-rapide, ouais, tu vois, là j'ai mis le max, donc ça, on va dire, c'est la simple. C'est le simple. C'est base de chez base de chez base, quoi. Pas la peine de. D'aller trop loin quand, on va dire, tu joues contre l'IA. Est-ce que je pourrais mettre le charismatique? Non, j'ai toujours ce truc con. Mais dès que j'aurai imité Napoléon Ier, ça ira. Ça en est où? Suprématie navale insuffisante. Bah, c'est l'heure d'attaquer, du coup. Il y a plus de jours à attendre, a priori. On va juste attendre. J'aimerais quand même que ma flotte elle se rassemble complètement. Et du coup, bah attends, je suis un petit peu perdu, mais du coup, toi, donc là, tu fais genre clic droit pour sélectionner là où tu veux que tes navires agissent. Donc là, uniquement mes sous-marins, et je les mets en attaque de convoi. Ça, ici, ils vont supporter l'invasion navale, ils vont être que là, donc juste clic droit ici, tu vois. Eux, je veux qu'ils escortent les convois, donc j'ai besoin qu'ils soient un petit peu partout. Parce que j'ai des convois qui viennent aussi d'Afrique, donc j'ai besoin qu'ils protègent un petit peu ces régions. Donc ça j'ai mis, mais là on va avoir besoin énormément ici parce que nos convois vont transporter nos troupes, donc il y a besoin que ça les protège. Donc j'ai réussi à imiter Napoléon Ier, excusez-moi. Je vais prendre à mon avis la grande armée pour améliorer mes troupes. Donc là c'est l'heure pour moi d'attaquer l'Angleterre. Et pour ça la domination navale va être super importante. Ah t'es sûr? Exécuter le plan. Ok. Il est maintenant l'heure, messieurs, dames, de s'attaquer à l'Angleterre. Donc là, d'une part, les navires. Les boys, vous avez tous là. C'est la manche qu'il faut viser. Dès qu'on aura un truc ici, c'est là que vous viserez. Mais sinon, la manche. Toi, tu pas attaquer les ports, ça sert à rien. Tu peux. Non, je vais pas essayer d'attaquer les industries quand même. J'ai pas envie de. Alors, vous deux là. Vous allez me niquer des bateaux ici. C'est hyper important. Ensuite, j'ai pas la domination navale, ça c'est normal. Normalement, j'ai bien mis eux. Surtout toi. Et là, si on regarde, j'ai une suprématie en mer de 41%. Alors, un truc, faut pas rajouter là, suprématie en mer de 41%. Efficacité du renseignement, 92%. C'est super important ça. Ça, c'est un bonus énorme. Ça vient de nos renseignements d'espions. Donc, ça. Que j'ai créé. Et surtout là, on va balancer le décryptage. C'est à ça que va nous servir la cryptologie. On révèle les renseignements, vous voyez. Bon, déjà, vite pénalité de débarquement, c'est excellent parce qu'on prend moins de dégâts au moment où on va arriver dessus. Et ensuite, avantage naval du décryptage, plus 50%.
Donc ça va encore améliorer ça, donc ça va augmenter notre supériorité navale, cet endroit-là. Donc là, on y go, et on voit comment ça passe. Oui, là je me mets en naval, et là j'ai une suprématie en mer de 55%. Notre supériorité aérienne accroît la pacte, 92, bref, on est bon. Donc là, vous voyez là, le fait que les navires bougent, c'est-à-dire que nos troupes sont en train de s'y rendre. Le navire bouge. J'ai pas lancé. Oh le con, j'ai pas lancé. Ah là, le petit 157%. Et ils ont une supériorité aérienne, ça c'est un peu chiant. Je m'y suis pris un peu tard. J'ai fait de la merde. J'ai fait un peu de la merde là pour le coup. Les navions, qu'est-ce qu'ils disent? Les navions, normalement, les navions, ça devrait aller là. Ici, les gars, ici. Là, il faut que ça passe, sinon c'est la merde. C'est la merde. J'ai pris trop de retard, j'aurais dû faire dès l'heure 1, dès l'instant 1, j'aurais dû balancer tout ce que j'avais. Ah, je risque de pas pouvoir me faire l'Angleterre là, malheureusement. Aïe. Ah, ils sont bien en soutien au débarquement. Soutien au débarquement toi aussi. Ouais, j'ai des problèmes là, merde, merde. Le fait que j'ai pas lancé le plan, alors que j'avais une domination aérienne à un moment, c'est une très mauvaise nouvelle. Je m'y suis pris comme une merde là. Aïe. Je peux rajouter des avions ou pas? Non, même pas. Aïe. Ah, yes, c'est passé. J'ai eu un petit tic où j'étais bon. Il y a un moment, ils ont sûrement dû rentrer pour se réparer ou quoi. Parfait. Excellent. Oh, la chance. Oh, putain. Ouh. Oh, si ça passait pas, j'étais vraiment dans la merde. Genre, vraiment dans la merde. Je sais pas comment expliquer, parce que réussir à avoir l'Angleterre, c'est vraiment presque impératif pour la suite. Allez, vas-y, radar. Ok. Du coup, mes troupes, elles passent, là. Ok. Bien joué, Gadjo, bien joué. Excellent. Et en plus, grâce à mon décryptage, là, vous voyez, pénalité navale, normalement, c'est environ 50%. Là, grâce à mon décryptage, l'avantage de mon décryptage, c'est que... moins. Je ne sais pas comment expliquer plus simplement. C'est plus pratique, quoi. Ouais, ils ont du monde ici. Non, attends, on va plutôt faire comme ça. Ce sera mieux. Je vais attendre que j'ai beaucoup d'unités qui viennent. Toi, tu vas monter un peu par là. Et toi qui fais rien, tu vas aller par là. Et puis là. Ils sont tous apparus, ouais, dès que lui il a fini, on est bon. Dès que lui a fini, il a fini là. Yes, excellent. Alors, tac. On va du coup, vous deux, vous allez essayer de me prendre Douvres si vous y arrivez. Et pour le reste... voilà. J'ai besoin de ramener toute mon armée ici. C'est ce qu'elle est en train de faire. Évidemment, mes troupes ont du mal. Enfin, que toutes mes troupes arrivent jusqu'ici. Ce qui va être compliqué. Toi, tu ne fais rien. Toi, tu ne fais rien, tu vas aller par là. Toi, tu ne fais rien, tu vas aller par là. Toi, tu peux me récupérer ça. Un aéroport, c'est une très bonne chose. Et maintenant que j'y suis là, j'ai un aéroport ici, du coup je peux ramener mes navions ici. Ce qui va grandement faciliter les missions.
plus les avions sont prêts, plus ils sont efficaces. Mais je vais peut-être garder quand même mes... la supériorité aérienne par ici, moi. Si c'est... non, je préfère l'étranglement du commerce. Qui ne fait rien? Qui ne fait rien? Qui es-tu? Pourquoi? Et je veux le savoir. Ouais, bon. Ok. Ok, l'invasion anglaise se passe beaucoup mieux que prévu. Non, pas beaucoup mieux que prévu. En vrai, le best, ça aurait été de... de tout choper direct, mais vu comment j'ai très mal commencé, j'étais vraiment très très mauvais dans ce que j'ai fait. Ça aurait dû être bien pire en soi. Ok, j'ai toute l'armée de Jean Lattre qui est en train d'arriver là. C'est pas mal du tout. Ici, on va en prendre quelques-uns, on va essayer de les faire avancer là. Ici, on va prendre un petit, on va le faire avancer là. On essaie de récupérer un peu les villes, parce que dans les villes, on va choper... Putain, il n'y a personne à Birmingham. C'est bon ? Est-ce que tu crois que tu peux aller jusque-là, mon gadji ? Ça permettrait de couper. Ok, pas mal. Toi, est-ce que tu peux aller là direct, d'abord ? Et toi, tu vas là. Comme ça, je finis d'ouvre. Ça coupe un port, ça permet d'avancer. Et on est... pas mal du tout. Là, on est pas mal. Là, on est vraiment pas mal. Là, il faut essayer de speedrun plutôt pas mal comment dire, l'Angleterre. Parce qu'après, on va partir en guerre. Nous sommes en guerre, évidemment. Toi, tu peux avancer là. Toi, avance là, tiens. Aide à avancer là. J'aimerais bien entourer Londres, en fait. La grande armée, excellent. Excellent, ça donne beaucoup de bonus. Hein. Reconnaissance 5%, décryptage, évolution quotidienne de puissance de commandement, c'est bien. Modifie la grande armée, attaque des forces spéciales, défense des forces spéciales, plus d'autres trafic. C'est très très bien. Ça, c'est vraiment des bonus incroyables. Mais on va peut-être qu'on ferait l'Empire fort ou l'État c'est moi. Ouais, Empire fort. Attaque ici, toi. Yes, ça a réussi à couper. J'aimerais bien que lui, il se dirige par là. Ça, s'il se dirige que... Ok, non, il se dirige que par là, c'est pas très grave. Ok, vous deux, vous faites pas grand-chose, du coup. Hop, hop, hop. Toi, oh, petit Liverpool, là. Et toi... qu'est-ce que tu veux faire, toi? Toi, tu fais ça. Ouais, par là, tiens. Ouais, par là, tiens. Comme ça, on peut vraiment couper absolument toute velléité. Ah non, ça, c'est mal organisé, ça. Je préférais que ça descende un peu. Toi... bon, on va commencer à prendre Londres, hein, je pense. Voilà. J'essaie d'agir un petit peu doucement quand même. Ok, maintenant que tout le monde est arrivé par bateau, on va améliorer tout ici. Parce que là, je sais que mon aviation, elle a du mal face à l'aviation anglaise. Excellent! Oh, excellent! Là, j'ai bouffé un paquet de divisions. Division non affectée. Vous êtes qui? Bah, je vous ai mis à De Gaulle, non? Allez! De Gaulle, voilà. Oh, c'est bon. Oh, ça fait plaisir quand ça se passe bien comme ça. D'ailleurs, maintenant que j'ai un peu... voilà, je peux enfin prendre charismatique. Recouvrement des divisions, bon organisateur, faut attendre encore un peu. Et je vais augmenter un petit peu mes commandements. Par contre, toi là. Oh, toi. Oh, toi. Attaque hardie, là, bim. Et ça, on va prendre... risque d'accident... gain d'expérience par entraînement, non. Vitesse de recherche, non. Coût des conseillers, lien avec l'industrie. Transmission des renseignements. Je vais prendre moins de risque d'accident, j'aime beaucoup ça. Putain, j'ai pris tout ça. On va prendre ça, toi, tu vas faire clac, clac. Non, clac, clac, clac. Toi, pourquoi ne fais-tu rien? Bah avance, hein, qu'est-ce que tu veux que je dise. Et toi, empêche ça de se faire avoir.
Toi, tu ne fais rien, ça me dégoûte. Non, toi, tu ne fais rien, ça me dégoûte. Toi, tu ne fais rien. Alors, des usines militaires. En plus, à faire ça, on gagne des usines militaires. Allez, hop, on améliore les avions. J'ai besoin d'avions. Avions, viens. J'ai du poids politique. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux toujours pas faire ça, là. J'ai 25% soutien à la guerre. Je suis à 35%. Ah oui, ça coûte 150. Alors, les gangan. Est-ce que je commence maintenant le Mast 38? Y a un petit souci, là, de date, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, je vois plus les dates. Ok, tout le reste c'est bon, mais pourquoi lui il a décidé de déconner? Bon. Pas très grave, on l'a faire quand même. Ok, l'Angleterre, c'est bientôt finito pipo. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Toi passe par là, toi. Oh ouais. Et déjà? J'aurai besoin de plus d'artillerie, on va améliorer ça. Plus à prendre l'Angleterre. Oh bah qu'est-ce que vous foutez vous? Attention. Par là là. Allez hop. On va pas avoir à vous le dire les gars. Et toi là, qu'est-ce que c'est là? Toi, clac. Et vous deux, clac. C'est vrai que je leur ai pas demandé d'agir par eux-mêmes, mais bon. Ah bah vous là. Vous là, là par contre, dans toi, juste tu vas faire clac clac. Voilà. Maintenant, je me rends compte que je perds beaucoup de carbu alors que je pourrais d'ailleurs dire à mon... mes troupes navales, toi, tu t'arrêtes. Putain, je me suis fait exploser. Toi, il n'y a que toi qui continue. T'as pas un trait de... chance de repérage des torpilles, pénétration des escortes par les torpilles. Si je pouvais tout avoir chez lui là. Je sais pas assez. Je pense que je peux avoir pas mal de choses avec lui. Ouais, ma marine elle se fait éclater la gueule, c'est normal. C'est tout à fait normal. Toi j'en veux un qui. Non. Oui, si, c'est parfait, oui. Si, en fait. Ah non, hop. Après, c'est pas trop nécessaire tout ça. Vous deux là. Ouais, exactement. Va par là. Et vous là, franchement. Allez, faut choper Glasgow. D'ailleurs, je suis con là, tiens, hop. Voilà, hop. C'est bon, j'ai sélectionné les unités, donc elles vont y aller d'elles-mêmes. Excellent. Alors, vous, gardez convoi. Comment du panier, niveau de formation. Ouais, non. Allez, on va augmenter leur attaque. Deux secondes, toi. Voilà. Allez, Truro, ça dégage. Est-ce que. Ah, restaurer les prix. En finir avec le parlementarisme. On va enfin dissoudre cette assemblée de cons. C'est excellent. Ça, on le met là. J'ai plus trop besoin que vous soyez là. Soyez plutôt genre là et par là. Du coup. De fait. Voilà. Ça devrait un petit peu accélérer la conquête. Ah ben voilà, l'Angleterre a capitulé. Ben voilà, très bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être un bordel. Alors, on va fantocher bien évidemment l'Australie. On va fantocher le Canada. On va fantocher la Nouvelle-Zélande. On va... ça va être long, hein. Je vous conseille, si vous êtes pour le let's play, d'avancer genre d'une bonne quinzaine de minutes. Parce que là, ça va être long. Parce que là, les conférences de paix, c'est du clic, hein. Tout ça pour récupérer, genre, si seulement vous pouvez. Ah putain, c'est vrai, bon. C'est soit l'un, soit l'autre, bon. Ouais, on va voir, est-ce qu'il met les juifs, Napoléon? Ah non, il met personne, c'est vrai. Hop.
Le Pakistan. Pourquoi le Pakistan, je peux pas. J'ai déjà demandé. Bon. Le Bangladesh. Ah oui, non, ça va être là-dedans. Alors, Birmanie, République coopérative, Jamaïque, Papouasie. Ah, c'est long. La République du Qatar, l'Écosse, je vais la rendre, je vais la séparer de l'Angleterre, histoire de les humilier. La République démocratique du Sri Lanka. Allez hop. Les Trinités, on va descendre. Émirats Arabes Unis, Koweït, République de Chypre. Vas-y, on va pas s'emmerder. Ah, quoi qu'il y ait des petits trucs comme ça. Je vais enlever ça. Et pour tout ce qui est... Je suis le seul. Oui, je suis le seul. Ça, j'aimerais le récupérer. Suez, j'aimerais le récupérer. Ici, Petrolum, j'aimerais le récupérer. Et Malte ou Chypre. Ça, je le récupère. Est-ce que j'ai d'autres trucs où il y a de la ressource? Oh, non, ça peut le faire. Le fait de juste les fantocher, ça devrait suffire. Malte, on prend Malte. Soudan, on fantoche. Sultana, on fantoche. Ouganda, on fantoche. Tanzanie. C'est pas fini, bordel. Zambie, on fantoche. Malawi, on fantoche. On libère tout et on fantoche tout. Hein. C'est long. Ah, faut cliquer. Le pays de Galles. Est-ce que je mets le pays de Galles en satellite? Y'a quoi d'intéressant au pays de Galles? Ah, y'a un petit peu de matière. Allez, allez, on sépare l'Angleterre. Allez. Avec des Antilles, on fantoche. Maldives, on fantoche. C'est long, putain. Île Salomon, l'État indépendant, l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord? Non, on va le récupérer, l'Irlande du Nord. Ah, quoique. Allez, on fantoche. Et le Québec? Ah, mais j'ai pris le Canada, donc c'est bon. Ah, mais attends. Est-ce que je récupère le Québec? Si je sélectionne rien du tout et que je prends au Canada le Québec. Ah ouais, mais c'est chiant, je vais devoir sélectionner qui, quoi, où, quand. Bon, Côte-Nord, Mauricie, Saguenay, Saint-Laurent, Ouest du Québec, Québec, Saint-Antoine. Donc tout ce qu'il y a Québec dedans, on récupère. Ouest du Québec, sud de l'Ontario, Québec sans petit trionnal. Ah, flemme. Allez, on prend tout, Canada. On prend tout. Sauf Terre-Neuve, ça c'est à moi ça. Ah, on peut pas. Bon. Hop, ça c'est fait. Et le Québec. Ouais, ça devrait le faire. Alors, ça, c'est good. On soumet ça en plus. Maintenant, pour les états nationaux de l'Angleterre. Mon pote, tu vas morfler. On va tout prendre. Clac, 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 clac. La Grande-Bretagne, ça n'existera plus beaucoup. Le Yorkshire et Cumbria et même ça. Faut que tu enlèves ce que tu as pris du coup au Canada. Oh, c'est pas grave. Soumettre. Et dans ce qui reste, je pense qu'on va fantocher tout ce qui reste. Le royaume d'Égypte, c'est bon. La Palestine, c'est bon. Israël, c'est bon. On soumet. Pardon. Et on récupère évidemment toutes les flottes. Je ne veux pas le savoir. Et bah, on est pas mal là. Normalement, ça va faire un beau truc bleu. Oh, ouah, ouah, le... Ok, une bonne tension mondiale. L'Angleterre qui est bien disparue là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maintenant, messieurs, dames, il est l'heure de se préparer aux trucs qui sont là. Et pour se préparer
au Reich allemand. Nous sommes déjà le 17 mai 38. Nous sommes déjà le 17 mai 38. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Jean Lattre, toi qui es le GOAT, disons-le. Soyons honnêtes avec nous. Qui n'a de cesse d'impressionner absolument tout le monde. Tu vas prendre une bonne partie du Nord. Oh, merde un peu ça. Toi, Orly. Orly, tu vas prendre cette bonne partie-là. Et toi, ça va se diviser un peu entre toi et Jean Lattre, mais vous allez tous les deux prendre une bonne partie de l'Angleterre, pas du tout, du Reich. Comme ceci, toi, on va changer ta division en attaque également. Et bah là, du coup, on va partir sur du... sur des trucs un peu comme ça, quoi. Un peu comme ça. Non, pas du tout. Un peu comme ça, pardon. Comme ceci. Toi, ton but, ça va être d'essayer de créer une zone avec la Tchécoslovaquie. Et toi, mon cher... mon cher Orly, tu vas essayer de partir un petit peu plus comme ceci. Et tant que j'y suis, je vais essayer de te rajouter des bons hommes. Voyons voir. Ah non, j'ai pas pris le truc, du coup je peux pas lui rajouter, mais je vais entraîner un petit peu des hommes en plus, comme ça. Hop, hop. On va faire, on va dire, 3 par 3 pour l'instant. Hop. Et on va les donner à Orly. Voilà. Pas mal, pas mal. Et maintenant, mon aviation, qui a quand même pris cher dans la gueule. Il me faudrait... Ouais, ici c'est bien, ici c'est... Ici c'est bien. Je pense que je vais faire principalement par le nord avec ce cher Jean Lattre de Tassigny. Du coup on va tout balancer ici. Et maintenant là ça va être le truc, la marine, bordel. Alors la marine anglaise, ça aussi ça va être, donc préparez-vous. Déjà évidemment les sous-marins, où sont les sous-marins là. On les sélectionne, on les fout tous chez lui. Je réorganiserai un petit peu plus prestement après. Destroyer. Oh putain, il y en a tellement. Tu sais quoi? Les destroyers qui sont là, vous avez tous là. Et hop, on réunit tout le monde. Après, je pourrais toujours les séparer un petit peu mieux. Ici, il y a du destroyer. Et bah, tu vas aussi aller là. On rejoint. Et là, j'ai quoi? Là, j'ai du destroyer, il va aller là. Là, j'ai quasiment plus de destroyer, du coup, je vais en reprendre qui était là. Enfin, dès que tout le monde se sera rejoint. Et donc, la prochaine étape, ça va être toi, là. Avec, donc, on va diviser par 4. Donc, diviser par 2, diviser par 2. Le code du Reich allemand était totalement déchiffré. Excellent. Tac, on organise. Tac, et tac. J'ai pas mal de bons hommes qui se sont fait éclater la gueule, là, donc je réorganise un peu mes troupes. 158 mobilisation partielle, là. Et là, vous voyez, Napoléon, il a gagné quand même des bons bonus. Soutien à la guerre, 10%, attaque division, 5%. C'est gratos. Ah tiens, tant que j'y suis. Napoléon, on va te donner le poste d'officier. Code. Reich allemand. Ben, on va commencer ensuite par l'Italie. Je pense que l'Italie sera plein de victimes. Salut Gaudois énervé. Ouais, c'est un mode. C'est un mode qui s'appelle Complété de France. Tu l'as en description. Si tu veux, c'est un mode qui rajoute énormément... aux arbres français. J'avais envie de faire un let's play Napoléon qui soit un petit peu plus intéressant que tout ce qui existait du coup. Dans les modes, petite explication rapide, du coup t'as tous les arbres qui sont extrêmement étendus, tu vois l'arbre de dévaluation du franc qui est beaucoup plus grand, le réarmement qui est beaucoup plus grand également, il y a toute une branche à droite. Ici les politiques économiques sont un peu plus évoluées, t'as également l'arbre de Napoléon qui est tout là,
Et au début du mode, en fait, t'as des événements qui choisissent un peu les élections qui vont avoir lieu en 36. C'est là que tu décides un peu si tu pars démocratique, Napoléon, communiste, etc. Et ici, t'as tout un arbre politique qui donne également des buts de guerre parfois ou des alliances avec d'autres pays. Voilà, ça c'est les trucs principaux. Et tant que j'en ai pas fini avec le parlementarisme, tu as également une chambre des députés. Et grâce à elle, suivant le nombre qu'il y a de chaque élu, tu as... comment ça s'appelle ? Tu as la possibilité ou non de faire certains focus. Parce qu'ils te bloquent autrement. Ah, je suis content. Alors, en deux épisodes, on a fait Angleterre, Pays-Bas, Luxembourg, la totale. Et maintenant que j'y suis. Mais non, mais oui, puisque j'ai chopé le rage britannique, du coup, renforcez ma garnison, s'il te plaît. Oui, 305 000, mais oui. Le Soudan, renforcez nos garnisons, mais oui. Je peux faire ça un petit peu partout. Le Kenya, renforcer mes garnisons. Le Congo, j'ai déjà fait. Le Nigeria, j'ai pas fait. Le Canada. Mais je pense qu'il me déteste trop. Ouais, il me déteste. Donc ça va être compliqué. L'Écosse, peut-être. Non, je les ai dit bien, ils vont en foirer. Peut-être, ouais. Les Wales. Pas forcément beaucoup d'hommes, mais c'est déjà ça. Non, c'est l'Espagne, le Ghana, tu peux me donner aussi des hommes. Ça va me donner un peu d'hommes, je suis 1,3 million. En vrai, je suis 1,3 million, mais je pense qu'une fois rentré en guerre, j'ai beaucoup d'hommes qui vont... Bon, je vais perdre des hommes, quoi. c'est la vie. Ok, pas mal. J'ai des trucs ici, Inde orientale. Ah, je peux peut-être... Ouais, Inde orientale, si tu peux me redonner des hommes, pas mal. Le Siem, c'est à qui, déjà? Le Siem est indépendant, mais quelle horreur. La Malaisie, c'est un petit peu d'hommes en plus, voilà. Voilà, ça fait déjà pas mal d'hommes récupérés, là. En finir avec le parlementarisme. Et du coup, voilà, ça c'est le focus qui fait que... Voilà, tout la Chambre des députés dégage. Ça accroît leur autonomie. Oui. Oui, mais regarde, parce que mode absolument pété. Regarde, prochain focus que je peux prendre, l'État, c'est moi. Autonomie des dépendances, -0,5. Et je crois que c'est un truc mensuel. Un peu comme... excusez-moi, répression de la... Non, pas répression, non, dépendance muselée. Donc, c'est pas mal. Ouais, le mode, je pense vraiment, de plus en plus j'y réfléchis, plus le mode me paraît complètement pété, on va dire, par rapport au jeu de base, quoi. Par rapport au Vanilla. Oui, c'est fort, oui. C'est fort. J'ai aussi ça. Tiens, on va faire ça. Dépendance. Royaume d'Angleterre. Tiens, Angleterre. J'aimerais vérifier un truc. Royaume de Angleterre. Toi, pour que tu passes, c'est 500 de moins. Du coup, je peux te balancer. Accorder un pré-bail. Je peux t'en balancer combien? Tu veux combien? 500? 350. Ok. Monsieur est coûteux. Voilà, 525. Hop là, envoyé. Et là, ça va peut-être réduire l'autonomie, ce qui me permettrait de le faire passer de dépendance à fantoche intégrée. De fantoche à fantoche intégrée, pardon. Et donc de récupérer pas mal d'usines. Là, déjà, j'ai un nombre d'usines, je suis assez heureux. Est-ce que toi, il y a besoin de faire de l'entraînement? D'ailleurs, pourquoi t'es en normal, toi? Et toi, par contre, mets-toi en vénère. Clac clac clac, tout ça c'est fait. Salut, Aouchatchat. What's that? Aouchatchat, pardon, c'est un peu. Voilà, on va prendre bon organisateur. Ah oui, et du coup, Gaulois énervé, le mode te permet aussi d'avoir Napoléon en maréchal, ce qui est. C'est bien. C'est bien, je peux pas dire mieux quoi. Parce qu'en plus, il a des bons traits, le con. Toi, expert de l'infanterie, excellent. Ça te permet de taper plus fort, plus vite, plus mieux. Et là, ce qu'on attend, en fait, c'est simplement la déclaration de guerre de l'Allemagne sur la Tchécoslovaquie. Parce que oui, on va pas attendre genre l'Allemagne qui prend la Pologne, nanana, parce qu'il devient trop puissant. Là, dès que l'Allemagne attaque la Tchécoslovaquie, on est deux contre elle. Déjà, c'est très bien. Et en plus, elle est beaucoup moins puissante qu'après avoir pris la Pologne. Avec la Pologne, c'est un snowball direct. Qu'est-ce que... Toi, je vais te réduire un petit peu ça, à ça, voilà.
En fait, c'est surtout Orly qui a besoin de plus d'hommes, là, parce que c'est un peu, pas beaucoup. Hop là, voilà. Et ça, qu'est-ce qu'on a qui est bien? Je pense qu'il faut quand même que... Ouais. Ouais, 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 ouais. Attaque. C'est bon, j'ai De Gaulle qui commence à avoir largement assez de troupes, là. Le Reich allemand, on a réussi à choper le truc. Je pense qu'en troisième, je vais prendre Monsieur Henri Gaucher. Ouais. Là, c'est pas mal. Il y a le réseau qui se met en place. Le réseau, vraiment bien, quoi. Déjà, la vitesse de planification, déjà, c'est bien. Surtout, leur retranchement maximal, ça permet tellement de leur rentrer dans l'art, un peu. J'adore. Tatata, radar dissymétrique. Salut Aiden. Fais ce que tu as à faire, mon frère. Est-ce que 8 juillet 38, j'ai pas plus intéressant. Ouais, là ça bug vraiment, je vois pas trop comment régler le truc. Ouais, on va repartir sur la construction. Allez hop. Peut-être commencer à faire mes chars, moi. Des chars lance-flammes, en vrai. Actuellement, ils sont comment, mes chars? Pourquoi ne pas faire d'anti-char face à l'Allemagne? En vrai, on peut se démerder sans l'Allemagne. En IA, vraiment pas beaucoup de chars. Vraiment moins que ce qu'on a l'impression. Ce qui fait qu'à base de petits encerclements, de petits trucs comme ça, on peut se démerder. Sans parler du fait que ça, c'est quelque chose de très fort qu'ils ont rajouté dans Arms Against Tyranny, c'est que les compagnies, pardon, c'est pas ça, les compagnies peuvent vraiment permettre d'avoir de l'attaque lourde, de l'attaque légère, de la percer en mieux, quoi. Donc même les flingues commencent à devenir efficaces, genre attaque lourde. Comment ça, 10% d'attaque lourde sur du matos d'infanterie? Ça a toujours paru extrêmement étonnant, mais... je vais essayer d'arrêter l'épisode au moment où on rentre en guerre contre l'Allemagne. Ça, j'aime bien ça, le coup pour accorder une médaille. On va avoir un moment où on va avoir tellement de poids politique, forcément. La partie va durer longtemps. Hein. Héros du ciel, efficacité des arrêts. Et j'adore, en fait, le principe d'avoir des... C'est pour ça que je prends Héros du Ciel et Médaille, parce que j'adore en fait avoir pas beaucoup d'unités, mais qu'elles soient extrêmement fortes. Vitesse de réparation, vitesse de recherche sur les sous-marins, gain d'expérience navale, coût des lumières... Non, allez, on va les réparer plus vite. Et du coup, est-ce que c'est l'Angleterre qui va devenir... Oui, l'Angleterre devient un fantoche intégré. Du coup, on a 123 usines, avec l'Angleterre qui devient un fantoche intégré, ça devrait remonter. 126, ouais, pas mal. Pas mal. Ah ouais, t'as ça qui est... Ah oui, le Royaume-Uni. Attends, je vais te le remontrer après, mais le Royaume-Uni, il ne ressemble plus à rien. Alors, la mobilisation civile, productivité de base plus 10%, vitesse de construction... De toute façon, je ne fais jamais des usines civiles. J'aimerais bien m'occuper de ça, histoire de ne pas perdre de temps pour après, mais... Ça, c'est tellement bien. Voir d'en haut, c'est quoi? Représentant de Dieu. Oh putain. Oh putain, oui. Facteur de population 10%, taux de recouvrement des divisions 5. Ah oui, d'accord, oui. Oui, 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 ok, 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 ok. Ce mode a défoncé le... rend la France beaucoup trop puissante. Hein. C'est sûr que si vous voulez faire Napoléon Vanilla, c'est pas aussi simple. Donnez-moi toutes ces médailles à distribuer, là. Si je devais en décerner une, ça me coûterait combien? 15. C'est bien voir ce que ça fait. Attends, modèle. Stat, merci. Alors, l'organisation est de 40. Donc, si toi. Je donne une médaille. Juste pour voir. Ça passe à ça. Ça passe à 43. Je me demande si c'est plutôt cumulatif. Et toi, on va te mettre en clac-clac aussi. Dans de ravitaillement à balles. Est-ce que si lui... Enfin, est-ce que si... Lui, je lui mets un...
j'ai mis une ligne de fond de marque. Je me rends quand ça se cumule les deux, en fait. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Comment l'ordre de maréchal se cumule avec celui du général, en fait. Je sais pas trop. Alors, est-ce que je continue la recherche ou est-ce que je suis plutôt de la construction? J'aime bien l'idée de faire de la construction. Alors, qu'est-ce qui manque? Du caoutchouc. Mais regardez ça, mais 80, mais bien sûr, vu que c'est mon fantouche. C'est ça aussi l'avantage de fantouche et tout ça, c'est qu'il n'y a plus aucun problème de caoutchouc, de pétroloum. T'aurais dû venir l'Irlande, c'est les copains. Bah, ils sont pas en Angleterre. Le truc, c'est qu'il va falloir que je refasse la guerre. L'Irlande est indépendante au début. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de ça. On va réaméliorer encore la crypto, je pense. Accommodement plus 5%, tiens. Légion étrangère, c'est pas une conne idée. Qui puis-je rajouter ici? Commando. Escorte de supériorité aérienne. Ouais, c'est lui que je vais prendre. Voilà, on va augmenter l'attaque lourde, comme ça les piou-piou ils sont encore plus efficaces. Justement, j'en parlais tout à l'heure. Ça avance doucement quand même le réseau là. Faut que je me dépêche. Allez, Allemagne, attaque! Il va me falloir tellement de pampans. Et de navions. Pouvoir d'en haut, excellent. Du coup, maintenant, Napoléon devient dieu sur Terre, finalement. On va prendre société militariste. Organisation division plus 10%, facteur de population. Oh putain. Ok, c'est beaucoup trop. Et tout ça en 35 jours. Enfin, quand je pense qu'il y a des trucs en vanilla qui font même pas la moitié de ça pour deux fois plus de temps. Pas trop mal là. Il manque juste des unités pour Orly, mais sinon on n'est pas trop mal. Ah! On va attendre un petit peu, juste le temps que mes armées se mettent bien. Ok, on va arrêter ça. On va plutôt travailler le facteur d'acclimatation. Le bonus de planification. T'as eu où tes modèles pour les avions? Celui que tu as pour ta petite cellule n'est pas dans le jeu de base. Hein? De quoi tu parles? Tu parles du modèle physique? Ça, pour le coup, il est très classique. Il n'y a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, je peux pas le... Oh! Oh! Ah, le modèle 3D, bah, peut-être qu'il est dans le mode. Mais pour moi, il... Oh, peut-être c'est un DLC. Ça serait étonnant quand même. Je t'avoue, aucune idée. Je l'ai pris, mais je ne savais pas qu'il était spécialement différent. Ok, c'est le moment, je pense, de rentrer en guerre. Nous sommes maintenant en guerre. Nous sommes en guerre. Contre l'Allemagne. Ici, cher ami. Toi, tu es où, toi? Toi, ici, là-bas. Merde, tu es où? T'es là? Oh, le con. Ensuite, encore un... Toi, tu vas faire des bombardements stratégiques ici aussi, à partir d'ici. Et tu vas viser spécifiquement les rails. J'ai besoin de niquer les rails, moi. J'ai perdu personne, ça va. Le Reich allemand a perdu près de 1000 hommes en attaquant la Tchécoslovaquie en juste un mois. C'est pas... Non, c'est pas beaucoup. On met ça en branle, du coup. Un doute que ça passe, mais au moins ça devrait... Ça va énormément soulager le front des Tchèques. Et je vais commencer à beaucoup micromanage. Mais ça... prochain épisode, évidemment. Évidemment, parce que ça fait déjà 56 minutes. Ouais, c'est un peu... Premier épisode, on développe la France. Deuxième épisode, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Angleterre. On les expose. Troisième épisode, on s'attaque à l'Allemagne. J'adore. J'adore. J'apprécie. J'apprécie grandement. Je m'apprécie. Je m'aime. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis ciao à tous et à la prochaine.
pour les gens du stream, évidemment, on continue. Vous êtes quand même 5 sur YouTube et 4 sur Twitch. Le succès incroyable. 1000 abonnés, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Finalement, la pub, j'ai besoin de sous et j'ai besoin d'argent. Alors, on enchaîne. Et bonjour à tous, Sigo, pour la suite de notre let's play sur Gloire et Triomphe de Bonaparte. On s'engage contre les Allemands. Décryptage semi-mécanique, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Défense passive. Est-ce que je fais une petite défense passive? Ouais, une petite défense passive. Châtiment de Sedan, évidemment, on l'a fait direct. J'ai encore des mecs qui foutent rien. Qu'est-ce que vous ne foutez rien? Mettons ça, tiens. Alors, c'est l'heure de faire du micro-manage. J'ai tout mis en haut. Et on va voir comment ça se passe. L'important, ça va être d'essayer de choper des nœuds de ravitaillement, déjà. Par exemple, Cologne est un point très important à essayer de choper, vu que c'est un nœud de ravitaillement. Ici, ça peut foutre la merde, qu'il y ait rails ici. Il n'y a pas beaucoup de... Ici, à part Stuttgart... Ah, ici, là. J'avais pas vu celui-là. Mais Stuttgart, c'est surtout lui qui est le plus important. E2, il risque pas de réussir à passer. Je pense que Orly aura du mal à passer. Surtout que il a pas le support de l'aviation. J'ai tout mis sur Jean Lattre. Toi, tu t'attaques à ça, mais je pense que c'est mieux de s'attaquer à ça. Histoire de vraiment renverser lui, on peut faire un petit contour comme ça. Et j'ai encore un gars qui fout rien. Pourquoi ne fais-tu rien? Qui es-tu? Qui es-tu, chose qui ne fait rien? On va vraiment essayer de micro-manager un peu. Toi, tu fais rien. Je refuse que tu ne fasses rien. Attaque-toi ça, tiens. Ah, j'ai réussi à prendre ça, excellent. Du coup, ça, on va attendre que ça se déplace. Je laisse mes troupes se réorganiser un petit peu. Mais là, déjà, ils arrivent à avancer à certains endroits. Je ne pensais pas. Je suis fort heureux. Pack de non-agression. Cause. J'aurais besoin que l'un d'eux s'attaque à ça, tiens. Ici, ils ont une organisation absolument pourrie, donc ils peuvent y aller. Ah, et merde, ils renforcent, forcément. Reste là, du coup. Défends. Ah, Goku, il se barre. Attends. Quoi? Tout ça, là-dessus. 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 Même toi, là. Toi, tu peux essayer de prendre ça, en vrai. Et toi, je vais en prendre au moins un pour attaquer. Toi, je vais prendre celui qui a une bonne organisation. Ouais, là, je suis obligé de micromanager. Ça va prendre du temps, hein. Je vous dis, ce combat, il va prendre du temps. Faut descendre ici, sous-marin. Ici, sous-marin. Alors, comment ça se passe ailleurs? Lui, il a du mal à avancer. Tiens, ça n'a pas beaucoup de... Ça n'a pas beaucoup d'organisation, ça, je le vois, ça. Ça s'attaque, ça. Ça aussi, ça s'attaque. Ok. Avance. Toi, tu fais quoi, là? Ok. J'aurais besoin quand même de... Toi, si tu pouvais prendre ça, là. Également, un petit soutien. Ça a quand même du mal à avancer. Ça perce un peu, mais ça a du mal. Voilà. On attaque sur plusieurs fronts. Pas forcément des encerclements. Il n'y a rien qu'à attaquer sur plusieurs fronts. C'est très très bon pour obtenir des bonus. J'arrive pas à prendre cette tuile là. J'aimerais bien réussir à choper Essen.
Yes, max, agilité, on améliore les chasseurs. Là, je pense que je commence à avoir des petits soucis ravitaillement, là. Yes, on a réussi à avancer là. C'est pas mal. Est-ce qu'avec tout ça, je peux m'attaquer à Essen? Toi également sur Essen. Pas si ça se prononce d'une autre façon, mais ce que je veux, c'est l'avoir. Oh, Sarrebruck est dans une situation un peu fâcheuse là. Où suis-je, Sarrebruck? Non, vous trois là. Voilà, ici, là, sur Sarrebruck. Vous deux, sur Sarrebruck. Toi, sur Sarrebruck. Toi, tu bouges un peu. Ok, société militariste. C'est bien, ça va augmenter l'organisation de mes divisions, ça. Est-ce que je vais jusqu'au prestige impérial? Ouais, ça peut être pas mal d'aller jusqu'au prestige impérial. En plus, j'ai le code civil, gain de politique 20%, ça va balancer des... Ça a balancé des médailles à balles, là. Essaie de faire une invasion navale en Allemagne. Je peux essayer l'invasion navale. Et pour ça, il me faut plus d'hommes. Je commence à me manquer un peu. Surtout l'invasion navale, oui, je pourrais prendre par Hambourg et tout, mais... complexe. Je préfère ça. Je pourrais prendre De Gaulle, en vrai. Mais... je manque d'hommes, en fait. Je manque un petit peu de... Le fait d'attaquer aussitôt, ça fait que je manque un petit peu d'hommes. Ouais. Donc c'est compliqué, mais c'est une bonne idée, hein. Bonne idée, là. C'est vrai que j'y suis allé en mode bourrinage, mais... Comment ça se passe, les navions? C'est pas incroyable. Du coup, si je mets ça au mauvais endroit. Y a pas un petit aéroport plus proche, là, que je peux choper? Non, même pas. Il me faut des pans-pans. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma marine? J'ai rien dit à faire à ma marine en plus. Hop, hop. Je vais t'enlever ça et ça. Tu vas me faire de l'attaque de convoi, merci. Toi. Toi. Cloque, cloque, cloque. Force de frappe, bien sûr. Et toi, en protection des convois. Ici, ici, et ici. Tiens, tant que tu es ici. Voilà. On aurait déjà amélioré la situation. Ensuite, petit Jean Lattre, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé si t'avais un truc. Non, t'as guéri, héros. Toi, t'aurais pas un queue de truc par exemple. T'as que expert de l'infanterie. Orly, peut-être. Mais non, t'as que mon canière, malheureusement. Ça... Dommage, dommage. Bon, si la Tchécoslovaquie voudrait bien faire. Faire des moves, elle aussi. Que ça s'arrête d'attaquer ça. Position un peu dangereuse là. Ouais, allez, recule un peu toi. On va plutôt faire une triple attaque comme ça. Ouais. Attacale. Bien aimé réussir à choper Dortmund là, mais c'est compliqué. Cet aéroport il serait intéressant là. Je pense qu'il faut que je stoppe un peu l'attaque générale. Hop. Et que je reprenne à mes troupes. Que je réorganise un peu mes troupes. Alors, qui sont ces. Qu'est-ce que vous voulez. Vous allez rejoindre monsieur là. Hein. Ouais, petit à petit ça va quand même remonter en hein, force. J'améliore mes petites doctrines aériennes. On va laisser un peu se tuer sur moi, maintenant que je reprends du territoire. Une fois que le territoire que j'essaie de prendre... il sera posé. Sarrebruck, allez, fais tomber Sarrebruck, là. Comment ça va le petit Orly? Ah, Orly il pourrait pas tarder à réattaquer. En vrai il commence vraiment à redéployer ses troupes un peu partout là. C'est compliqué de faire un encerclement sur un front aussi large là.
On va améliorer, on va refaire des petits convois comme ça, et d'ailleurs toi, t'es pas du tout sur la bonne personne toi mon con. Ouais voilà. Attends, ça veut dire que depuis le début j'ai des... Ah non ça. Ça va ça, voilà tiens. Les deux. Non, ça se passe. Le reste, sévère parce que je suis en train de défendre. Là, il y a un petit souci. Est-ce que j'allonge le front hors lit? Ouais, j'allonge le front hors lit. Je pense que je peux arrêter ça. Concentrer exclusivement sur ça. Eh hey, mais il y a un monde là un peu. Ouais, c'est très fâcheux pour eux ça. Je vais arrêter de faire des trucs. Ouais c'est bon, j'ai repris de l'organisation et tout, c'est eux qui ont commencé à m'attaquer, c'est pas mal. Là il faut que j'arrive à prendre ça. Toi, j'aimerais bien que t'ailles là. T'ailles là également. Ça va me permettre de choper cette base aérienne. Lep là! Petite base aérienne, toi, tu vas là. Ça sera beaucoup mieux. Toi, pareil, tu vas là. Toi, t'es pour les porte-avions. Toi, tu vas là aussi. Ça va grandement aider le fait de rapprocher. Ouais, mais je suis toujours en infériorité quand même. Que à ce niveau là je suis vraiment pas petit peu top. Je suis pas sûr que j'arrive à avancer ici. Peut-être que ce sera rien. J'aurais aimé les encercler là, mais peut-être plutôt faire comme ça, par Brême, passant par Brême. Ça me permettrait d'apporter plus de monde, d'augmenter la taille du front et vraiment pouvoir attaquer par plusieurs côtés. Et toi, ça peut peut-être, ça peut m'arranger ça. Ça peut m'arranger parce que comme ça, je réduis un peu la taille de mon front, ça devient une province à protéger de ce côté. Ouais, non, vas-y, ça passe pas, trop nombreux. Couaf. Prenons ça, hein. Au moins ça réduit un peu le... Ça réduit un peu la taille du front, ça nique un peu leur division, c'est toujours bien, je trouve ça plus. En termes d'hommes, je suis bon. Putain, les avions, faut vraiment que ça en produise des avions là. C'est pathétique ce que ça produit pour l'instant. 150 de poids politique, j'avais pas un truc, monsieur Maurice machin. Ça me permet de faire des gouvernements de collaboration quand j'aurai besoin. Ouais, là c'est la guerre, y'a rien d'autre. Hein. Oh mais attaque toi, animal. Comment ça vous arrivez pas à me prendre ça là? Commence! Oh merde! Oh chiasse de cul! Attention. Tout le monde le tue! Arrête d'avancer toi, défends-toi! Oh merde, j'ai mal géré mon front! Très mal géré mon front! Ah non, je suis en train de perdre mes divisions! Jean Lattre! Aïe, Jean Latte qui se fait goumer. Ok, mobilisation civile. Et merde, j'ai vraiment perdu des unités bêtement. Là. Allez hop, prestige impérial. Et après, on repartira sur d'autres trucs, quoi. Ouais, là, j'ai juste perdu des hommes, là. Le con. Je mets tout là.
Ah, et en plus, j'ai perdu l'aéroport. Alors, est-ce que vous, là, ça, plus ça. C'est de là sur Dortmund. On va voir. La victoire est faite de petits assauts. Ils ont vraiment beaucoup d'unités. Hein. C'est ça qui m'emmerde, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup d'unités. Ah, attends. Par contre, ils ont pas beaucoup d'organisation. Non, là, ils galèrent par le nord, du coup il faut que j'attaque par le sud. Enfin, ils attaquent par le nord, faut que je me reprenne par le sud. Ah, je perds mon avancement. Ah, ils ont vraiment tout mis au nord. Ça veut dire que je peux attaquer un peu par le centre. Petit à petit, ces petites avancées comme ça. 144 morts, ils ont plus du double de morts à moi, donc c'est pas mal. Ah, des usines, il me faut, oui, des camions. Et on remplace. Des flingues, ça va. Ah, de façon générale, ça va. C'est plutôt pas trop mal, il me faut plus d'avions, c'est tout. Comment je construis, là? Ah oui, d'accord, ah oui. On va refaire des usines, hein, après. Hop. Hop là. Oh merde, j'ai pas fait un poste. Ou alors c'est en train de se réparer? Eh ben, je sais pas. Non, c'est en train de se réparer. Pas mal, je reprends des petits territoires par-ci par loom. Ici, il y a quoi? J'ai mal à voir. Comment? Ouais, lui, il est bien. J'essaie de voir en fonction de leur organisation, parce qu'en vrai, c'est ça qui joue, c'est leur résistance. Ouais. Ouais, non, le front au sud, il est un peu bloqué, là. Je peux essayer, hein. Ouais. Après, s'ils se tuent, s'ils viennent se tuer, Orly peut s'amuser, non? Le Reich a déclaré la guerre à la Lituanie. Ah, je vois que le Reich a des priorités. Attention. Ouais, on attaque le sud, le nord, le sud. Faut juste tout gérer en fait. C'est de la micro-gestion, tout simplement. C'est le principe de ce putain de jeu. Ah, y a pas un monde où... Toi, tu restes là, par contre. Où j'encercle, quoi, disons. Si je pouvais choper ces 4 divisions là, ça me mettrait tout en joie, tout en bonheur. Non, ça je m'en fous un peu. Ah, un espion. Un espion supplémentaire. Je vais prendre la linguiste. Et madame, vous allez me... Ah, il n'y a rien à choper ici. Dommage. Ah, peut-être tout de carte. Ou alors c'est sur quoi il y a déjà l'autre. Non, lui en bas. On va prendre Berlin. Ok. Ah, alors. Si j'arrivais à les choper eux, très bonheur. Qu'est-ce que ça dit ailleurs? Munster bloque encore. Toi, juste toi, est-ce que tu peux... Genre juste en soutien, quoi. Toi, attaquer là.
Faut profiter, il faut profiter, il faut avancer, il faut avancer. Toi, attaque ça. Mais comment là en termes de... Ouais, c'est ça, la préparation du plan, elle est plus là. À force de les micro-gérer, forcément, ça... Je perds ce genre de bonus. Par contre, toi... Oh, prends-moi Wilhelmshaven. Ça va me permettre, pas forcément de faire un encerclement, mais juste de couper au port, c'est déjà bien. Truc amélioré ici, non, rien du tout. Ouais, je pourrais... J'ai pas un bon... navire capitaux... Commando... Bombardement... Ouais, bombardement tactique, dès que je pourrais le choper, je le prends. Ok, non, ça avance pas, ça sert à rien. J'attends que ça se... recharge un peu. Mais j'ai chopé les scènes. C'est une très bonne nouvelle. Et toi, à mon avis, je peux te choper. Toi avec eux deux là. Toi plutôt là. Excellent. Ah, Orly a fait une petite percée. Ah, le code civil, prestige impérial. Ok. Quelle pourrait être la suite? Je pense que ça, la domination aérienne, c'est pas mal. Surtout vu comment ça me coûte. Ici, faire un encerclement, ce serait Gucci, mais ils sont hyper organisés. Orly, il est comment? Ah, il est bien. Lui, il est comment? C'est bien ce que je connais. Pas tous leurs bonus. À prendre, ça peut être compliqué. Ah, eux, ils sont pas mal, par contre. En vrai, eux, plus eux deux. En mode papa. Je vais juste faire un petit truc, donc j'y suis, rajouter, non pas modifier, entraîner, je vais en prendre juste, il m'en faut 4 je crois, ouais c'est 4 que j'ai perdu, juste une fois, on va apparaître ici en Wallonie, et tant que j'y suis, j'ai pas mal d'XP je pense, que je vais rajouter de l'artillerie, comme ça là, à balle, les stocks d'artillerie. J'en ai pas beaucoup de dispo, mais hop, on va dire que ça passe. On dit que ça passe, ça passe. Alors, faut repérer un peu ceux qui peuvent avoir une organisation pourrie, mais déjà je vais attendre que le matos revienne. Ah, ça arrive pas, hein, ça arrive pas. Quoique, ça avance. Hein. J'ai pas fait gaffe du coup l'aérien depuis tout à l'heure, ça se passe comment? Ici, vu que j'attaque pas, c'est pas... Dommage. Ouais, j'ai vraiment pas assez de chasseurs, quoi. Ça aussi, je gagne pas du tout la bataille aérienne. Arrête d'avancer, ou de... Si arrêter d'avancer, ah non, c'était là quoi. Ça rien, ils sont en train de se... Par contre, là... Et toi là... Et toi tant que tu es là... Ça, ça chope très facilement ça. C'est un aéroport. C'est très très bonne chose d'avoir réussi à choper ça. Bien, je peux en prendre 600... Les avions là ils sont en train de... Allez comme j'ai dit je veux des as. Les avions ils sont en train d'XP là. Bon, ils sont plus en train de crever que d'XP mais... Ah! Alors ça les meilleurs piou-piou, ça c'est une bonne nouvelle. Artillerie. On va améliorer l'artillerie aussi. Fabricant d'artillerie. Et voilà nos meilleurs piou-piou. Ok, le front allemand avance, hein. Mine de rien, c'est long, c'est difficile, mais ça avance. Je pense qu'ici, s'ils continuent à se tuer bêtement sur moi, il y a un monde où je peux agresser, quoi.
Ah, je suis obligé de faire le tour, dommage. Reste là alors. Pin. J'ai pas envie qu'il rejoigne. Et toi aussi, pin E. J'ai pas envie qu'il rejoigne. Ça passe, ça passe, ça passe. Ok, arrête-toi. Ok, ça va réorganiser un peu le front. Tassini, il a un gigantesque front, là. Est-ce que je réorganise un petit peu Tassini? Surtout qu'il a perdu un peu des... Ouais, on va faire comme ça. Et toi, recule un peu aussi. Hop là. Voilà, ça se croise à peu près à Dortmund. Qu'est-ce que je peux faire de pas trop dégueu, là? Les trois peuvent attaquer ici, là, non? Ou alors j'attends juste que le bonus de planification revienne. Hein. Je peux faire ça aussi. J'attends que tous mes hommes se remettent vraiment bien. Et on peut y go après. Ah voilà. Alors, supériorité aérienne ou bombardement tactique. Supériorité aérienne. Réfléchir au pourrait de mon prochain plan d'action. J'ai l'impression qu'ils ont totalement abandonné le front en Tchécoslovaquie pour vraiment se concentrer sur moi. J'aimerais bien que la Tchécoslovaquie en profite du coup. Je sais pas trop ce qu'elle fout. Parce qu'on est toujours en guerre contre la Tchécoslovaquie, hein. Enfin, avec la Tchécoslovaquie. Hey, Tchécoslovaquie, ils ont perdu 109 000 hommes. On a perdu 192 000. Bon, eux, ils en ont perdu un demi-million. Tout de même. Tout de même. Tout de même. Il y a possibilité de... Ah. Rage. Non, ça avancera pas malheureusement. Alors toi, tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller là. On va s'attaquer à ça. Ils ont du problème de ravitaillement en plus. C'est lent. Domination aérienne, c'est très très bon. Le problème, c'est qu'après, c'est tellement long pour des trucs pas très intéressants. Ça pour arriver jusqu'à réforme de l'armée, c'est vraiment dommage. J'aimerais bien avoir la politique capitaliste à prendre 2 secondes. J'aurais un meilleur soutien à la guerre, déjà qui est très bon. Comment ça se fait que ce soit aussi dur de les entamer? Ouais, ils sont retranchés et tout. Putain, en plus, ils sont dans les forts. Commandant, il a une bonne compétence. Ouais, le commandant est pas dégueu en plus. Ouais, c'est pas si surprenant qu'il survive à ce point. Ah. Voilà qui n'est pas inintéressant. Ok, petit capitaliste. Ah, j'avoue, il faudrait peut-être que je me concentre aussi sur dévaluation économique et laisser faire. Ça prend 35 jours et ça améliore un peu l'économie. Ouais, bah ça, du coup, voilà. C'est un bon nombre à attaquer, on y va direct. Hein. Ouais, le front du nord, là, il s'est ouvert. Ouais, ils sont revenus. Ouais. C'est pas con, ça, ce qui est en train de se passer. Hop, Munster. Yep, vous deux, là. Blam! Sur l'aéroport, s'il vous plaît. Et ensuite, là. Ouais, attends, juste... Hop là, toi. Toi, j'en veux bien un qui aille là et un qui fasse ça. Et toi, un qui fasse ça à Munster. Non, toi, tu vas là, tiens. Toi, tu vas à Munster. Bonsoir, Yandux. Eh bien, comme tu vois, ça se passe bien. L'Allemagne recule. L'Allemagne, je dirais, n'est pas non plus complètement conquise, mais elle recule. Et ça, ça se... Oh, c'est inespéré ce qui se passe là.
Oh, ça y est, le front commence à prendre. Ah, ok, ok, c'est peut-être là que le move va être assez décisif. Ok, ça commence à devenir intéressant. Ok, Jean Lattre, tu es le goat. Je le dis souvent, mais tu es le goat. Ok, ok, il y a l'occasion d'encercler là. Ouais, 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 ouais. Oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. Qu'est-ce que vous foutez là? Ici. Vous me finissez ça? Ça, ça doit mourir ça. Ça disparaît. Oui, on a chopé Villamlen. Ok, ça. Ça, c'est God tier. Ça, ça, c'est très très bon. Là, on a vraiment allumé une partie du. Du front, on va pouvoir faire reculer ça. Et Jean Lattre, où est-ce que je vais te foutre? Jusqu'à où, toi, ta ligne? Je pense que ta ligne, elle va aller jusqu'à Berlin, mon frère. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Toi, Jean Lattre, si tu arrives, si tu pouvais couper avec tout ça, ça nous mettrait mais tellement bien. Je déteste ça. Et ça, accent sur la logistique, je pense. Va donc là, animal. Va donc là, animal. Ok, le nord là, c'est pas mal ça. Ça, et puis tu vas en bourre. Oh, si on pouvait choper la nord derrière. Industrie disséminée, ça on est parti là-dessus, ça on est parti là-dessus. Ça, pourquoi j'ai arrêté? Coordination, on va augmenter la coordination, tiens. Et j'avoue, j'ai pas du tout fait de radar. Ça aurait été utile, oh le con. C'est bon, j'ai un bon aéroport ici. J'ai plus d'avion par contre. Allez, check, on avance. Ok, je pense que là, il y a un monde où Jean Lattre, tu vas à fond. Ouais, je pense vous trois là. Hop là, Kiel. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est encore des unités que je peux choper ça. L'Allemagne t'a attaqué avant la Pologne. Non, elle a attaqué la Tchécoslovaquie. Et comme la France démarre avec une garantie sur la Tchécoslovaquie, j'ai dit nine. Et je les ai du coup attaqués. Parce que je considère que c'est l'un des meilleurs moments pour attaquer l'Allemagne. Étant donné qu'elle n'a pas encore pris la Tchécoslovaquie, elle n'a pas encore pris la Pologne, du coup elle a vraiment pas du tout suffisamment snowball. Et en plus t'as un allié. Donc c'est excellent. Petit bonus qui se coule en plus. La Russie s'attaque à la Pologne. Mais comme elle est toute seule, vu que... ouais, je vais te répondre juste après, Yandux. Mais comme généralement en attaquant l'Allemagne, elle a peu de chances de s'attaquer à la Pologne, bah du coup la Russie est seule face à la Pologne, elle galère. Et après elle s'attaque à l'Estonie, Lettonie, Lituanie et tout, mais elle galère beaucoup à avancer pendant plusieurs années. Et nous, on peut donc prendre l'Allemagne assez tranquillement. Moi j'ai déjà pris les UK du coup pour te répondre, tout ça, j'ai séparé, j'ai libéré l'Écosse, j'ai totalement décolonisé l'Afrique. Pas totalement. Et voilà. D'ailleurs, merde, j'aurais dit de se déplacer. Dis-moi que j'aurais pas dit de se déplacer. Dis-moi que c'est bon. Dis-moi que c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Ça aurait pu être dramatique. D'ailleurs, est-ce que je peux demander des renforcer nos garnisons? Je pense que je vais en avoir besoin. Royaume de zombies. Est-ce que je peux redemander orage? Non, c'est pas étonnant en même temps. Toujours des petits hommes en plus. Bon, j'en ai 2 53 000. Mais ça fait toujours des petits hommes en plus. Ok, alors. Oh là là, alors vous deux là, oh là 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 là, oh là là, là ça va totalement casser, c'est cassé. Ouais, je savais bien que ce serait Jean Lattre, le GOAT. On va essayer de prendre Lubeck, ça nous permet de choper... Oh oui, en plus on a les meilleurs boum boum. Toi tu vas là,
Toi, bah, tu peux attaquer là. Oh oui, j'ai de meilleure artillerie. Je rêve la nuit. Productivité, attaque légère. Ouais, allez. Attaque légère, mes coups de production, c'est pas bien grave. Faut mettre à jour. Ah, tellement de clics dans ce jeu. Alors, maintenant qu'on a amélioré ça, je veux. Ouais, l'anti-aérien. Ouais, l'anti-aérien. Très bonne chose, ça, l'anti-aérien. Ok, on n'est pas trop. On n'est pas trop mal là. Oh, alors là. Alors là. Alors là, mon cher Jean Lattre. T'es le goat. J'ai toujours dit, t'es le goat. Il y a un monde, je dis à mes petits bonhommes de tout attaquer en fait, parce que comment ça se passe ici? Là, ils restent, ils tiennent la ligne pour Orly, mais Orly est beaucoup moins une menace qu'avant. Est-ce que ce serait pas le moment de boum? Ah, ça verdoie, hein, ça verdoie. Ok, on a le laisser faire, ça augmente mes capacités industrielles. J'aimerais enlever la dévolution économique, comme ça l'économie efficace est efficace. Décoloniser l'Afrique, pourquoi? Oh, bah parce que tu sais. Blablabla. Tu vois, on est sympa, c'est tout. Faut laisser les pays libres à disposer d'eux-mêmes. Ouais, ça, il faut que je fasse peut-être la SNCF juste après. Ça, je pourrais débloquer ça. Sinon, j'ai pas mal. Ouais. Non, j'ai pas besoin d'augmenter ma population recrutable. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Allez, on va enlever le coup des droits de contest. Être sympa, c'est déconniser et de les apporter leur... La civilisation, justement, oui, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Là, 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 tu vois, j'apporte la civilisation à l'Allemagne. Constate, constate. Constate comme ils se sentent civilisés, là. Ah, et voilà, maintenant on peut balancer Orly. Hop! Clac, il va avancer dans les montagnes, là, mon pote. La Pologne rejette l'ultimatum allemand. Si l'Allemagne s'attaque à la Pologne, vu sa situation... Bonne chance. Calme-toi, Jean Lattre. Tu commences à être hyper large, là, ton front. Trop large. On va calmer le jeu un peu. On va laisser Orly avancer un peu. Et je vais bouger les frontières... non, toi, Tassini, là, il commence vraiment à avoir des... Défendre un front beaucoup trop écarté. Et lui, il y a plus d'hommes en soi, donc il peut défendre davantage. On va faire comme ça. Bon, oui, tu peux finir ça, oui. Dizana! 9, 9, 9. Comment arrêter? Stopper. Ouf. Voilà. Juste lui, là. Alors, on peut avancer sur ces petits bouts de terrain. Mais on va laisser Orly avancer. Orly, là, il s'éclate. Vous voyez? Il fait sa petite blitzkrieg des montagnes, là. Il attend son heure tapis depuis le début. Non, peut-être pas autant. Hop. Alors, vous quatre, là, vous êtes chez Tassini. Il a besoin. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Montagne, expert des terrains, coup d'électrique, coup de base, vainqueur de la Grande Guerre, Henri Giraud, conséquence chasseur. Est-ce
Est-ce que je peux donner ça à lui, en vrai? Genre, je remplace, imaginons ça, par des chasseurs. Alors, un colline, colline. Mouvement, attaque 23, 14, bon, attaque 52. Ok. Si je réinitialise. C'est colline ça, 8, 18. Ouais, chasseur, c'est pas mal en vrai. Ça me sert à quoi la clé du génie? Ah, oh, c'est bon pour tout ça en vrai. L'antiaérien, c'est utile. L'artillerie, c'est pas si utile. Je peux remplacer l'artillerie par des chasseurs. Je pense que je vais remplacer l'artillerie par des chasseurs. Pour Orly. Orly, c'est vraiment le spécialiste montagne. Hein. Alors, dès que je vais m'attaquer à l'Italie, il va faire une percée par les Alpes et va faire... Je vais leur chier dessus, tout simplement. Tiens, tant que j'y suis. En parlant de chier sur quelque chose, bien sûr. L'Australie. 362 pour que l'Australie m'appartienne davantage. Alors, chère Australie, qui veut 362 de je ne sais que. On va y aller comme ça. Je vais t'accorder un prêt. Je vais te donner quelque chose comme ça, là. 362. Si je t'en donne... 300. Non. J'attends d'avoir pas mal plus de convois, quand même. Un petit peu troulesque de tenter ce genre de choses. Ok, toi va plutôt là. Ok, 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 vous deux là, ici. Ok, ouais, ça commence à... Commence à ressembler à quelque chose là. C'est un front qui commence à me plaire. Je le dis, ça me plaît. Toi, tu commences à t'attaquer à Rostock, ici, là. Là, ils peuvent pas défendre, et du coup, BAM! Encerclement. Ok, vite. Toi, il m'en faut un qui revienne immédiatement, ici, là. Lui, il est en train de s'y diriger, donc ça va. Voilà. Voilà! Bloqué, exactement comme j'avais besoin que ça le soit. Bim! Rostock est tombé. On est où de ça? Reich allemand, 777. C'est déjà de capituler, mon petit pote. Putain, les lignes de front, elles sont dégueulasses. Orly, il avance, il en a plus rien à foutre, Orly. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que par hasard... Ouais, là, c'est bon, il est en train d'attaquer. Hein. J'ai même pas besoin de lui dire, j'ai même pas besoin de lui dire, il va. Hop. Ça a du mal là. Beaucoup d'unités là en face, c'est pour ça. Il y en a peut-être pas beaucoup, c'est juste moi qui me fais des illusions, mais. Tiens, toi, tu es. Merde. Tiens, toi, j'ai dit. Tu es là. Clac. Toi, on va en prendre un qui fait clac, comme ça. Voilà, voilà, voilà. Allez. Allez, Jean Latte, maintenant t'y vas. Jusqu'à Berlin! Évolution économique, excellent. Promouvoir l'entrepreneuriat. Protéger le droit de mon fou. Stimuler le marché, non. Qu'est-ce que pourrait faire d'intéressant? Est-ce que je commence déjà... Ah, je dois commencer à organiser le hollandais. Et la question italienne. Et en même temps, il y a Borodino. Ouais, je vais commencer par ça et après... Comme ça, j'ai direct les buts une fois que j'ai réussi à annexer l'Allemagne. Ah, la Lituanie est tombée. Mode France complété. Ouais, c'est ça. C'est ça le nom du mode. Tu l'as en description, tu peux y accéder direct. Malaisie, donne-moi plein de tungstène. Ça, ça a été déchiffré. Qu'est-ce que je pourrais déchiffrer d'autre, moi? On sait jamais qu'un jour je m'attaque je ne sais quel pays. Ouais, non. Tiens, attends, non. Ceci, vitesse max agilité. On va faire de ces avions les meilleurs avions. Même si pour l'instant ils sont un peu... Ouf. Ah, exceptionnel.
Ah, regardez-moi toutes ces belles lignes là, c'est pas beau ça? Je pense qu'on est parti pour y aller à fond, hein. Et voilà, et voilà, et voilà. Utilise le code marin avant qu'elle ne cap. Oui. Oh, de toute façon, elle va capituler, l'Allemagne va disparaître. Hein. Ce que j'aimerais bien, par contre, ce serait qu'éventuellement l'Italie rejoigne le Reich allemand. Je pensais pas y aller aussi vite, hein. J'ai commencé genre en février, un truc comme ça. C'est vrai qu'en fait, que l'Italie intègre l'axe. La chute de Berlin. Et comme ça, elle va pas forcément rejoindre la guerre. Mais attends, ça c'est pas, ça sera pour mes appuis aériens, ça. Mais il y a d'autres pays qui pourraient rejoindre l'Italie lorsque je déciderai de m'attaquer à elle. Et je pourrais donc récupérer énormément de territoires à des endroits qui n'étaient pas forcément prévus à la base. C'est peut-être exagéré ça. L'Union soviétique a déclaré la guerre à la Pologne. Non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. La Malaisie. Non, la Guyane, tiens. Ah, regardez-moi ça. Et Orly qui gagne un trait, la experte de l'infanterie, bien sûr. Qu'est-ce que je. Voilà. Jean-Lâtre. Jean-Lâtre, disais-je. Tu vas avancer comme tu t'éclates à avancer, hein. Voilà, toi, entrée d'officier, m'en fiche un peu. Toi, tu continues. Ah merde, tes frontières ont disparu. Frontières ont disparu, zut. Qu'est-ce que je vais te faire faire, toi? Bah, tu sais quoi, tu vas commencer à te mettre face à l'Italie. Je pense que là, l'Allemagne, c'est terminé, donc autant commencer à préparer d'autres plans. Et Orly, toi qui es en train de t'amuser comme jamais, hop, c'est ça ton nouveau projet. On enlève ça et on met tout ça là-dessus. Hop. Et tu vas à fond, hein. C'est bien ce qui me semblait, il y a un petit souci. Les navires, tiens. Parce que bon, je suis là, mais pas trop là. Venez là. Et ici maintenant. Pas grave s'il n'y en a pas en bas, ça se démerde. Alors, technologie, système de contrôle de tir amélioré. Hop, c'est parti. Que ah, l'Italie a rejoint le Reich allemand. Ils sont tous les deux dans le. Ils ont débarqué au. Oh oui, tiens. Oh. 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 Ils sont déjà là, eux. Shit. Dommage. Ok. Eh ben, tu reviens. Hop. J'avais pas eu ça. Bon, heureusement. À mon avis, ils vont pas aller bien vite. Allez, hop, 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 on y va, vitesse chouchou. Et dès que t'arrives, évidemment, tu te mets en direct. Pourquoi t'as arrêté d'avancer, Jean Lâtre? Pourquoi est-ce que tout le monde a arrêté d'avancer? Voilà, réorganiser les Hollandais, comme ça je peux faire la question italienne. Toi là, toi là, et toi là, hein? Simplement, quoi, il a arrêté d'attaquer ce camp? Peut-être que si je lui dis tac puis attaque, il va comprendre. Peut-être. Ah, petit débarquement au nord, ça ne pose aucun problème. Alors, peut-être que sur ce troisième épisode, je vais réussir. Il est déjà à 2h49 de live. Attendez, excuse-moi, faut que je vérifie un truc. Je regarde juste un petit truc rapidos. Et combien d'épisodes là? Vidéo. Alors, 1, 2, 3, c'est le troisième. C'est que le troisième.
J'ai vraiment pas passé. Rapide. C'est plaisir. Plaisir. Ça fait plaisir. Fermé, continuons. Blitzons. Excusez-moi. Excusez-moi, j'avais juste besoin de vérifier un petit peu où ça en était. Oh merde, con. Putain, j'ai oublié de rajouter les chasseurs du coup. Bon, ça c'est fait. Tiens, toi, tant que tu es mon cher Daigle, tu vas continuer ta mission de protéger l'entièreté du littoral français, s'il te plaît. Voilà. Le problème ne devrait plus se reproduire. Et du coup, tant que j'y suis, je peux redéployer des petites brigades coloniales. C'est vraiment les petites brigades qui servent à De Gaulle. Hein. On va faire deux par deux. On va faire par là et relier directement à De Gaulle. Et ça, c'est... Oh, les avions, là, ils sont en train de... Les doctrines, ça commence vraiment à rendre mes avions bien solides, là. Ok, Attention, Orly. Attention, Orly, mon frère. Vas-y, Jean-Lat, c'est l'heure de, bah de tuer, hein, finalement. Il n'y a pas d'autre mot. C'est l'heure du massacre. Oh bah tiens, attends. Je sais que ces conneries là. Hop, clac. Orly a un petit peu plus de mal, mais il va se démerder. Hop. Je vais le mettre en... Clac, clac. Ta 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 ta. Bon, je vais enlever ce truc qui est pas très utile. On va organiser un petit peu ça. Orly. Orly, mon ami. Ici et ici aussi. Ok, divise en deux. Un défi spectaculaire. Regardez-moi toutes ces troupes allemandes qui sont en train de disparaître. 1 019 000. Ah, mais l'Italie est dans la guerre. Étrange. Je me rends compte que toi, t'as fini, toi. Oui, t'as complètement fini. Oui, t'as fini, toi. Oh, toi. Je vais essayer de l'enlâtre ici, au cas où je vais quand même mettre la défense ici. Et... On commence! Ah, mais il est dans l'axe, mais il a pas rejoint la guerre, apparemment. Enfin, à mon avis, ça va être ça. Allez, il me faut de l'artillerie, là. Bon, par contre, elle devrait capituler l'Allemagne, non? Bon, Munich, hein? Munich Taras aussi? Pardon, je m'emporte. Waouh, oui, c'est vrai que j'ai ça. Pas nécessaire, on va. Petite semi-améliorée. J'arrive, Jean Lattre. C'est bon, c'est bon, c'est massacré. La Pologne se fait un petit peu manger. Ok, Jean Lattre, t'as fini ici. Du coup, cher Jean Lattre, tu vas ici. Qui es-tu et à qui ai-je l'honneur? À qui appartiens-tu? T'appartiens à De Gaulle, mais qu'est-ce que tu... Reste là.
De Gaulle, mon cher ami. Et on y go, Jean Lattre. Qui êtes-vous ? J'ai pas donné à Orly, ça ? J'ai gagné un port. Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Ça c'est pris, ça c'est pris, ça c'est en cours. Vienne est là en fait. Putain, Vienne est là. Ah, c'est pour ça que c'est toujours pas gagné, bordel. Ouais, check, faites un peu, s'il vous plaît, quoi. Ça aurait quelque chose, quoi. On va prendre ça, comme ça je l'aurai, et après on fait full militaire un peu. J'ai besoin d'enlever cette... Ah, voilà ! Voilà, le Reich allemand a capitulé. Ah bah c'est bon, on va laisser les rouges en haut, c'est bon. Oh là 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 là, et la Tchécoslovaquie qui veut des trucs, aucune chance. L'Autriche, oh pourquoi pas l'Autriche satellite. Ou alors l'Autriche elle disparaît. C'est quoi la Kachoubi? C'est où ça la Kachoubi? Oh moi je dis on prend tout. Hein. Bon, je vais faire la mano alors. Hop, c'est parti, ça va pas être trop long. C'est que l'Allemagne, après tout. Ça sera beaucoup moins long que les Anglais. Hop, 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 hop. Allez, un premier jet, c'est ça. De toute façon, je vais gagner du score à chaque fois. La Tchécoslovaquie, à mon avis, elle va rien récupérer. Et moi, je vais rechoper toute l'Allemagne. Hop, hop, on prend ça. Et hop, hop, hop. Hop, hop, là, hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Memel, Sudovie, Samitagori, c'est où ça? Ah, je veux ça, moi. Soumettre. Ah, tout sélectionné. Hop là. Soumettre. Tout sélectionné. Hop là. Soumettre. Désolé, désolé, la Tchécoslovaquie. Mais je récupère tout. Et, tant que j'y suis, la marine. Hop là. Les Tchèques, vous aurez rien. Désolé, les gars. Ah, confirmer et sortir. La Bulgarie a rejoint l'axe. Hop, 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 regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est une belle frontière. Oh, ça fait pire. La flotte, oui, je récupère la flotte, oui. Oh, putain, j'avais besoin de m'étirer. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va choper, on va choper, on va choper, on va choper les soum sous-marins. Les navires de type sous-marin, il n'y en avait pas beaucoup, tiens. On les fout là. Bah, ils vont aller là. Putain, c'est un sous-marin qui a pris cher. Hein. Ensuite, tous les navires de type destroyer, ils vont aller. Ils vont aller chez lui. Ouais, lui, t'as plus beaucoup de trucs pour défendre les combats, donc c'est pas mal. Et la fin ira là. Tout ça, j'irai là. Hop, hop. C'est tout bon. Au niveau de la flotte, on est bon. Au niveau des navions, on est comment? On va s'attaquer à l'Italie maintenant. Légion étrangère, pour l'instant, je me bats pas donc. Oula, pardon, excuse-moi. Tac, tac, pardon, tac, tac. Et tac dès que vous pouvez, et tac dès que vous pouvez, hein. Ici. Voilà. Donc ça se passe là, on a le canon, on améliore encore l'artillerie, ou est-ce que, ah non, on est en 39, on est en 39, on va améliorer ça. Ça, pff, allez hop, sous-marin.
1. Ça, pop. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? But de guerre disponible. Oui, je sais, je peux m'attaquer. Toi, on va tout supprimer. Tac. Et toi, mon cher Orly. Où tu vas ? Tu vas m'éclater l'Allemagne en fée. On va diviser en deux. Donc, la moitié, c'est ça. Que tu vas mettre là. Et par contre, la moitié qui est là-dessus. Il y a moyen de sélectionner que la moitié là. Elle va aller par là. Combien de divisions tu m'as mis ? 9 divisions, ça devrait le faire. 9 divisions, 10 divisions. Il manque une division là. Et Jean Lâtre de Tassigny. Cher Jean Lâtre. J'ai toujours pas fait la putain de SNCF. On va prendre ça. Je pourrais pas avoir Monsieur Gamelin. Non, mais je veux Napoléon, moi. Hop, toi. Comment te limoges-je ? Peut-être en cliquant sur lui. Limoger. Et là, je prends attaque terrestre Napoléon. D'ailleurs, Napoléon, t'es passé à quel niveau ? T'es au niveau insigne. T'es au niveau 5, donc tu devrais m'apporter plus. Genre 10%. Non ? Me trompe-je ? De Gaulle, je peux pas te donner un trait genre défenseur. Guerriero. Ça c'est fait, Jean Lâtre. Cher Jean Lâtre. Adorable Jean Lâtre. Tu vas faire un nouveau débarquement. Qui va partir du coup ? Ça va être un petit peu long à mettre en place. De ça jusqu'à Rome. Puis après, hop. On réitère de ça jusqu'à au-dessus de Rome. 1, 2, de ça jusqu'à en dessous de Rome. Encore 2, 1, 2, de ça jusqu'à là. Et les deux petits derniers, encore en dessous. Jusqu'à ici. Voilà. Ça devrait être bon. Il me manquerait, je pense que je devrais prendre genre 3 bons hommes qui sont à 1, 2, 3. Et rajouter là, mettre là. Je vais rajouter un commandant, du coup, ok, Flavigny. C'est proposé. Et toi, cher Flavigny, tu seras, bah en fait, tu seras là. Tu défendras la Corse, cher Flavigny. Avec ce cher Weigand. Les usines. Il va me falloir du camtar, il va me falloir de l'artillerie. Et il va falloir que je construise des usines. Construisons que diantre. Hop. Et hop là, c'est à moi. Et hop. Voilà. Ça devrait suffire, ça. Donc, à décrypter, on a tout. La Pologne, est-ce qu'elle va bien... Oh, elle tiendra le temps qu'elle tiendra. Non, vous, là. Oula, alors vous. Alors vous, vous allez me faire. Vous allez m'étudier les Russes. Parce que vous, je vais faire un gouvernement de collaboration. Parce que sinon, ça va être hyper bon. Cet épisode est déjà trop long, on a réussi à vaincre l'Allemagne en un épisode. Merci à tous d'avoir regardé, je vous dis ciao à tous et à la prochaine. Pour les gens du stream, je pense qu'on refait un dernier épisode, juste pour... Il est quelle heure ? 15h27. Ouais, on fait un dernier petit épisode, mais juste pour faire l'Italie, donc ce sera normalement pas très long. L'Italie, c'est plutôt rapide. Et ça dépend si la Yougoslavie et le Royaume de Roumanie y rejoignent, donc on enchaîne. Et bonjour à tous, ici Hugo pour la suite de notre Let's Play sur Gloire et Triomphe de Napoléon.
nous nous retrouvons maintenant aux portes de l'Italie, prêts à... Après à l'exploser, hein, finalement. Où ai-je ma flotte? Ok, cher ami. Toi, tu n'es ni là, ni nulle part où. Ou que ce quoi que tu crois que tu es. Toi, tu es ici, et ici, mon frère. Et tu vas te mettre en aide au débarquement. Toi, tu vas me faire du mal. Tu vas faire du mal au convoi de là, là, là. Et là, ça devrait suffire. Je te mets évidemment en attaque de convoi. Et toi, Darlan. Darlan ? Non, Abrial, pardon. Tu supprimes aussi les derniers ordres qui sont là. Et tu te mets en protection des convois. Ici. Et maintenant, les navions. Je pense que ça devrait le faire. Vous là, qu'est-ce que vous foutez là? Vous allez là. Vous allez là. Darlan, tu es le chef, du coup tu es capitaine de croiseur. Tu es un... Tu mouches. Capitaine de destroyer également. Et lui, toi je peux sûrement t'améliorer aussi. Tu es un capitaine de destroyer. Tu es un... Détection sous-marine. Ah bien, il manque un peu. Ok, pas mal. Ça, c'est en cours de prep. La suprématie navale va arriver lorsque les bateaux vont arriver. Ah, suprématie en mer, 100%. En même temps, on n'est pas en train de guerroyer. Ah, le plan a l'air pas mal. Système de contrôle amélioré, allez, hop, on améliore ça. Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que juste après Borodino, ce serait pas plus intéressant de fonder la DMA pour avoir un slot supplémentaire? J'avoue, je dis pas non. Un slot de recherche supplémentaire, là, je dis pas non. Ça fait gagner quand même beaucoup de temps. Alors, toi, t'es comment? Tout est prêt? Toi, t'es en cours de prep? Ça met du temps. Pourquoi il met autant de temps à se préparer? Pas du tout en train de se préparer d'ailleurs. C'est les autres qui se préparent. On va arranger les choses comme ça. Que 8 divisions en frontière yougoslavienne, ça suffit largement. Jean Lattre est prêt. Lui, il est prêt. Lui, il est en cours de préparation. Ah, c'est bon. Ah, je pourrais commencer à vendre des convois d'ailleurs. L'Australie, j'aurais dû regarder combien d'abord. L'Australie, tu es à combien? 289. Eh ben, on va faire des petits prébails. Tu es à combien? Si je te donne, imaginons 400. Allez, 450. Je pense que tout le monde est prêt là. Ouais. Ouais, on va pouvoir y aller. Vérification d'un petit truc là par contre, parce que le stream a l'air... Est-ce que le stream déconne sur YouTube? Non, ça a l'air de continuer. J'ai du mal à voir ce qui est montré en fait. Que ça m'indique que personne ne regarde, ça m'inquiète un peu. Bon après, il y a peut-être personne qui regarde. Non, c'est juste moi qui suis con. Où sont-ce? Bon, c'est l'heure de déclarer la guerre. Hein. Hop. On va arrêter de perdre du temps. Hop là. Et tout ça se met en branle. Et là, ça se passe largement. On va même faire
on va se permettre un petit réveil éventuellement. J'ai vraiment un déficit à dire avec la chute de Rome, hop. C'est nickel. Ça se passe beaucoup trop bien, c'est parfait. Tout au bout. Tout au bout. Tout au bout. Et tout au bout. J'ai pas donné un mec par défaut. J'ai pris. La percée, c'est excellent. C'est la défense pendant l'attaque. Il en faut le maximum. Non, pas ça. Les pipiou. Eh bah ça avance bien là. La Russie ça avance bien. Je suis en guerre contre la Yougoslavie du coup. En guerre contre qui moi? Italie, Bulgarie. Non, la Yougoslavie elle m'emmerde pas. J'ai mis les troupes à la frontière mais en vrai elle m'emmerde pas. M'inquiète pas trop, ça va passer. D'ailleurs, j'ai dit passer par les Alpes, mais en fait, c'est pas les Alpes, ça. Mais il y a moi. Ah oui, il y a toi. Mais bien sûr qu'il y a toi. Je regardais sur YouTube, excuse-moi. Parce que là, je stream sur YouTube et Twitch en même temps. L'Éthiopie italienne est un majeur. Comment ça, l'Éthiopie italienne est un majeur? Éthiopie. Afrique orientale italienne. Ah oui, elle appartient à l'axe. Les piou-piou, on est bon. On va... Ah, les casses. J'aimerais attendre un peu. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ah oui, c'est vrai, j'avais dit fonder le DMA. Essentiel. J'ai besoin d'un slot de recherche supplémentaire. Ça devient un peu ridicule. Regarde dans la guerre, le contour de son drapeau est doré. L'Italie, oui. Mais pas l'Afrique, du coup. Enfin, l'Éthiopie. Oh, putain. Oui, oui, faut apprendre à gérer son front. Un connard. Oh, shit, j'ai fait de la merde. Oh merde. Oh merde. Bon, j'ai encore le port, ça va. Mais oh merde. Oh merde, je fais de la merde. Non, attends. Non, toi, attends. Toi, je sais exactement ce pourquoi j'avais besoin de toi. Toi, j'avais besoin que tu remplaces ça par des chasseurs. Voilà. Oh, ok, ensuite, qui? Qui? Tac. Tac. Et on va en enlever un là. Allez. Clac. Clac. Excuse-moi. Clac. Voilà, ça va me donner des usines en plus. Qu'est-ce que tu dis? Par contre, là, tu n'auras pas les 6 slots de recherche. Tu vas obtenir la 2 du développement économique d'abord, puis l'autre. Ouais, slots de recherche, mais j'en veux pas 6, la 4, ça me suffit largement. Oh shit. J'ai extrêmement mal organisé mon affaire, moi. J'ai chié dans la colle. Par contre, bon, attends, je vais refaire un petit peu ça, d'ailleurs. Parce que là, j'ai pas beaucoup d'hommes et ça me surprend un peu. Cher Jean Lattre, que j'aime beaucoup. Entièreté de Jean Lattre, s'il te plaît. Ok, on va prendre... Du coup, Jean Lattre.
On va prendre la moitié de toi, Jean-Latre. Et on va lui créer un fond, ici. On va ensuite prendre l'autre moitié de toi, Jean-Latre. Et clac, clac. Et elle va créer un fond, ici. Voilà. Vite, il faut que la révolution italienne proque. Oh, même sans la révolution italienne, à mon avis, ils vont pas tenir. Hein. Déjà, le nord se fait complètement laver. Là, ça coupe un peu. Et j'avoue, je m'y suis très mal pris. Tiens, t'aurais vu que eux, ils m'emmerdent ici, là. Et encore des usines. Putain, il y a vraiment un déficit en artillerie. C'est... Alors, il faut quand même que j'améliore les antiaériens, hein, parce que je vais en manquer. Oh, le pétrole. Oh merde, le pétrole. Pourquoi la marine me coûte autant de pétrole? Oh oui, merde. Oui. Arrêtons tout. Force de frappe. Arrêtons tout. Ouais, un petit jeu. Une petite query que j'ai pas bien faite. Pas de division, zéro transport. Pourquoi zéro transport? Comment ça se fait que j'ai tous mes trucs qui prennent 29k là? Qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes en train de vous battre? Il doit être en train de se battre. Ah oui, elle est en train de se battre. Bien en train de se battre, oui. Oh putain de con, qu'est-ce qui se passe? Comment t'es arrivé là, toi? Qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais j'ai des convois, mais après l'essence, là, c'est pas normal que ça me coûte autant. Évidemment, je peux en demander à mes boys là, mais quand même, je suis pas censé en avoir besoin d'autant là. 15,6, ça sort d'où? D'abord ceci, ensuite non, cela, fiabilité. Et toujours l'artillerie. Hein. As-tu construit des raffineries? Pas tellement, j'espérais que mes fantoches suffisent pour me subvenir, mais enfin, ce qui me surprend, c'est pas tellement... C'est pas tellement le fait de pas en avoir que d'être étonné de la quantité qui m'en soit demandée. Allez, faut recouper ça. Ok, couper. Mmh, encore, putain. Là, j'ai eu une bonne expérience navale, à mon avis. Il y a moyen de les encercler. Bon, Benito se fait renverser, ça c'est bon. Ah là, ça, attaquez-vous à ça là, bordel. Découpez-moi ce truc. Du fer, bah le rage. Ah, pas mal ça. Alors, Orly. Ah oui, vous deux, c'est vrai que je vous ai pas du tout contrôlé, mais en soi... clac, clac. Vous allez là, toi Orly, tu vas tout mettre ici. Et toi, mon pote, tu... Non, pas toi, toi. Bah, tu vas tout mettre là. Et ouais, tu vas y aller, quoi. Tu vas aider Tassini que j'ai foutu dans une merde bêtement.
Elle est où l'Italie française du coup? Bon, elle est en cours là. Oh, elle est en cours. Elle arrive, elle arrive. Ah, c'est bon, j'ai réussi à redécouper. La Corse, elle se défend, la Corse. T'inquiète, calculé, mon boy. Bon, pénurie de acier. J'allais dire de fer, non. Acier. Australie, copain, donne-moi tout ce que t'as. Je parle de celle qui est censée pop à la révolution italienne. Ah, ça, elle va arriver. Un jour ou l'autre, elle arrivera. Mais c'est peut-être plus quand je serai au niveau de Palerme. Enfin, un petit peu avant. Ok, ah oui, Orly. Du coup, Orly. Donc, la Yougoslavie a décidé de rester pacifiste. Et ben, Orly, tu vas faire ça. Comme ça, là. Comme ça. Et voilà. Ah oui, bah oui, bah oui, forcément, si je suis teubé aussi. On en prend un et on fait clac-clac. J'aurais pas dû mettre la frontière, j'étais bête, j'aurais dû juste faire ça. Hop, hop. J'ai même pas fait gaffe, mes avions, là. Ouais, tiens, les avions. J'ai le compte depuis tout à l'heure, mais mes avions, ils sont où? Ah oui, bah oui, c'est aussi pour ça que je galère, évidemment. Ah, c'est sûr, avec les avions en plus, on est quand même mieux. Alors, ça, on va améliorer, du coup, études de survivabilité. Et je vais commencer à faire mes... Tiens, je vais commencer à faire des petites cellules améliorées pour mes appuis aériens. AAR. Qui vont s'appeler deux, même si j'en ai fait aucun. Et je vais avoir un problème de moteur, ce qui fait qu'en termes d'AAR, ça va être le canon anti-char, moteur de niveau 2... si je regarde juste les ajustements, que ce soit pour cette genre de mission qui soit efficace, du coup, électronique, radio, navigation, ça on va prendre une petite tourelle défensive, et c'est tout ce que je peux prendre pour mon appui aérien pour l'instant, et tu seras ça. C'est déjà un début d'appui aérien, on va les améliorer après. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah tiens, toi, au cas où la Yougoslavie est des velléités, tu vas venir là. Orly continue son bout de chemin et Jean Ladre. Voilà, t'arrêtes ça tout de suite. Jean Ladre, mon pote, prends toutes tes troupes, tu viens là. S'il te plaît, tu me fais... S'il te plaît, disais-je, tu me fais un petit... Blam, 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 blam. Attendre que tout vienne chez toi, mais après. Alors, le poids poétique, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et maintenant, tu vas jouer. Mon poids politique. Bah, on va commencer à distribuer des médailles. Jean Lattre, cher Jean Lattre. Jean Lattre, disais-je. Voilà, regardez-moi toutes ces médailles à distribuer là. Allez, hop, organisation des divisions. Allez, lui, qu'est-ce qu'il veut? Et hop, ça va coûter, mais bon, ça coûte que 15. Qu'est-ce que c'est, 15? Allez, hop, on met tout en organisation des divisions là. Ça, c'est bon, c'est fait. Ok, on est heureux. J'ai enfin un slot supplémentaire, pardon. Ça, boum, calapam, bim. On améliore ensuite les canons et après on pourra faire vraiment de meilleurs navires. Et programme d'armement supplémentaire. Vas-y, tiens, 21 jours. Je suis content, j'ai des bonnes victoires navales là. Qu'est-ce que j'ai... Ah 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 ah. Clé du génie, qu'est-ce que ça veut dire, clé du génie? Ouais, on va faire ça tout de suite, là. Hop, 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 on va prendre un char moyen. On va dupliquer, déjà.
J'aimerais bien le dupliquer, mais du coup, non. On va prendre une tourelle. Tourelle triplace, on s'en fout. On va prendre un lance-flamme. Ça, tu peux supprimer. On va prendre un lance-flamme compagnie de soutien. Un moteur blindage, on n'a pas besoin d'autant de trucs. Non, vraiment, ça va être de la merde ce truc. Juste qu'il aille à peu près à la vitesse de nos divisions. Pas le camp de char moyen. Ici, on va prendre peut-être juste la radio, mais à part ça, c'est que des futs de carburant. On sauvegarde. On met ça à la production, fabriquant le char moyen. On met ça par là. On va enlever un petit peu. Ouais, j'avoue que là, il y a des trucs où j'appuie genre ça. Tu peux reculer. On va refaire un peu de train. On va refaire un peu de camion. Ça, on va en faire à balle. Ça, mets-toi là. J'en sais rien. Démerde-toi. Et là, l'Italie est en train de se faire prendre. Tout ça, c'est à nous. Elle est comment là en termes de capitulation, Italie? Elle est pas bien. Oh, elle est pas bien. Ouais, elle est pas bien. Comment ça se passe, mon petit réseau là? Bah, il est mort? Pas-t-il mort? Poste fermé. Italie sombre dans la guerre civile. Alors, on va fantoche tout ce qui est. Tout ce qui est Afrique. Du coup, j'aimerais récupérer tout ça. On va récupérer ça, tiens. On va récupérer la Grèce, tiens. Bulgarie. C'est dommage que la Roumanie ait pas rejoint l'axe parce que ça m'aurait donné une frontière directe pour aller me faire le reste, mais bon. J'ai oublié de récupérer Gibraltar? Est-ce qu'il y a un monde où j'ai oublié de récupérer Gibraltar? On va soumettre ça, commencer. Ensuite, on va fantoche absolument tout le reste. J'ai pas envie de m'emmerder, du coup, hop. Te reste un territoire en Italie. Ah. Exa. Mais ça. On soumet ça. Et on récupère toute la flotte. Histoire que ce soit pas perdu. Pas mal. Bon, le Royaume du Sud. J'ai la Bulgarie. On a récupéré pas mal de... De la République sociale italienne qui va devenir du coup la République sociale française. Alors, doucement. On va conserver nos territoires, faut pas déconner. Ah, bah l'Italie c'est fait. Ah, on est pas mal. Ah, on est pas mal. La prochaine grosse étape, ça va être la Russie. Et j'avais oublié que j'avais ce front avec la Russie, du coup. Jean Lattre ? Oh putain, Jean Lattre. Jean Lattre, il va aller là. Jean Lattre, t'as pas fini de faire la guerre. Hein. Tu vas aller jusqu'à Leningrad. Toi, qu'est-ce que tu faisais, toi ? Je sais pas trop comment ça va se passer. Donc, toué, mon toué. Je vais t'arrêter là. Je sais pas trop comment vont agir les autres, donc. Est-ce que t'as besoin d'aide? Je suis sûr que la première fois, accepter que tu les rejoignes. Ouais, mais pour ça, il faudrait que. Comment je peux. Il faudrait que je sois en guerre. Enfin, il faudrait que je sois avec une faction avec eux. Comment je fais pour créer une faction avec eux? Ils veulent même pas l'accès militaire. Je peux déjà leur envoyer des attachés. Mmh.
Finlande. Vous ne pouvez pas créer des factions sans disposer de l'esprit national approprié. Sinon, je m'empare des Balkans. Je crois qu'il y avait... Ah merde. Annexé contre Yougoslavie. Ah, fait chier. Je suis obligé d'en passer par la Confédération allemande, mais ça a tendance à tout... tout détruire de façon un peu trop chiante. Il n'y a rien par ici, là ? Soutenir la Finlande. Ça me fait pas... Ça me fait pas les rejoindre. Essayer de les soutenir avec ça, je sais pas vraiment ce que ça va créer, mais bon, de toute façon je suis en cours avec ça, donc je peux pas faire grand chose. Ok, bon, j'ai fait ça. Ah oui, j'ai fait ça au début. Il y a tellement de trucs dans ce nouvel arbre, bordel, ce mode il est c'est impossible de tout faire, ou alors faut rester jusqu'en 2000. Le meilleur truc à faire c'est ça, quoi. Le truc, c'est que... Ah, je peux lui déclarer la guerre. Non, c'est pas trop le problème. Ça, je peux lui déclarer la guerre. J'ai un focus, déclarer la guerre à l'URSS. Non, le seul problème, c'est qu'en termes de frontières, c'est un peu éclaté, quoi. Genre, j'ai que ça où je suis avec eux. Est-ce que je peux faire un débarquement? Ouais, je peux faire un débarquement. Jean Lattre, je l'ai mis là-haut. Et lui, je vais le prendre pour faire un débarquement. Ouais, on va partir comme ça. Ouais, je vais le mettre en place maintenant, là. Allez hop, c'est parti. 1, 2. Clac. 1, 2. Clac. 1, 2. Bah ensuite, c'est que tu as accès militaire à leur pays. Oui, c'est vrai. Ouais, mais... Je vais... Alors... Attends, quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il me fait? Toi. Je veux qu'il y en ait... Déjà, tout le monde vient là. Tout le monde vient là. Vous pouvez venir là, hein. Voilà, pendant qu'il se déplace. Vous. Tu vas clac, tu vas Odessa. As-tu déclaré une petite guerre en attendant Alors. Pourquoi ça râle? Clac, clac. Non, je vais pas déclarer la guerre tout de suite. Pas de division. Je vais faire ça. Ensuite, toi. Toi. Oh, toi. C'est un petit peu parfois chiant à naviguer ce jeu quand même. Cliquer ces divisions. Ensuite, toi. De ça à de ça, Nikolaïev. Excusez-moi, ça prend du temps. De ça, de Varna à ça. On applique. Et voix pour utiliser. Je vais les foutre dans les médailles. Bon, tu vas faire. Voilà, 4, ça suffira. Hein. Ensuite, elle, séductrice. On va faire comme ça. On va attendre que un peu tout le monde s'organise comme il se doit. Et Orly, toi, je t'ai pas encore donné d'ordre, mais à mon avis, pour l'instant, tu vas te mettre là. Déjà, je vais attendre que tout le monde se place et après, je déclare la guerre. Mais plus trop de guerre, hein. Tu n'as plus de décision ou d'esprit à acheter, voire de conseiller. Bah, moyen, quoi. Moyen, ça, j'en ai pas trop besoin. Je suis à 2 73 000, ça sert à rien. Ça, j'ai que des bons trucs ici.
C'est pour ça que tout à l'heure, je m'amusais à faire des médailles. Et hop, organisation des divisions. Hop là. D'accord, notre accent sur l'industrie. Une arme pour chaque homme. Production d'armes d'infanterie, ok. Submergé par la vitesse. Puissance de feu. Ouais, puissance de feu, tiens. Et dans les décisions politiques. Voyons voir. Paul K. Twin Steel. Du coup, je vais juste. Pardon, excuse-moi, reprendre un petit truc ici. Peut-être faire les casses. Voltigeur parachutiste. Limite minimale des forces spéciales plus 8. Ça, c'est quoi ? Confédération suisse existe. T'es confédéré que la France souhaite survivre. L'état du monde devient un territoire national. Plus de guerre à suggérer pour la Confédération suisse. On passe à la décision. Oui, je regarde juste rapido ce que je peux faire ici. En attendant. Développement du moteur à action. AMX. Charge des unités militaires, c'est pas mal. Bon, allez, je vais descendre là. Parce que sinon. Oui, je vois bien de quoi tu parles. Fermer la route de Birma. Offrir l'asile. Je pourrais ça. Exploiter les plantations de caoutchouc. Oh, allez, vas-y, hop. On va balancer ça. Démantèlement de la non, quoique. Retire protection. Ah, je l'aime bien, moi, la protection de l'image d'Ino. Je sais que la vitesse de planification, c'est pas ouf, mais la planification maximale plus 25%. Mama. Ça fait quoi, ça? Ah ouais, d'accord. On va prendre ça, tiens. Hop, histoire qui s'adapte un peu à nous. Et on avait... Allez, scientifique allemand. Voilà, ça a bien dépensé le poids politique, là. Et je peux encore balancer quelques petites médailles en plus. Organisation division, hop. Est-ce que j'ai... Non, trop cher. Allez, hop. Clac, clac, clac. Je fais pas du tout gaffe à mes avions là, mais il y a un. Il y a ce qu'il faut là-haut ou... J'ai pas l'impression qu'il y ait. Si, il y a une base navale en vrai. Si, il y a une bonne base navale en plus. Mauvaise langue, mauvaise langue. Ah non, je l'ai pas, merde. Bon bah toi, hop 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 hop. Tout ce que j'ai récupéré là. Alors, j'ai toujours pas décidé ce que t'allais faire, mais à mon avis, tu vas te mettre aux côtés de la Pologne. T'en es où, toi? Ah oui, merde, la suprématie navale, bah oui. Naval. On peut... Ah merde, j'ai récupéré la flotte. On disait donc les sous-marins. 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 Ah, putain, il y avait tellement de sous-marins chez... Voilà, chez Irital. Toi, tu vas aller là. Et toi, ça va être réparti entre chaque. Merde. Et ce qui reste après, tout ça, on fout ça chez monsieur là. On prend tout ça. Et toi, tu vas surtout me faire. Tu vas arrêter ça. Tu vas aller. Tu vas me faire aide au débarquement ici. Hop, hop. Histoire que la Russie en chie un peu aussi. Et toi, tu vas protéger les convois partout. Partout. Ok, ça, on va foutre ça dans nos chars. Parce que les chars, maintenant... Aïe, ça c'est le moment où ça va être drôle.
Toi, on t'enlève et on te remplace par des compagnies de lance-flammes. Et compagnies de chars de lance-flammes, ça donne des bonus, la fortification fleuve, forêt, tout ça. Mama. Ça va être puissant. Et là, du coup, nous sommes déficitaires. C'est normal. Normal. Toi, bien. Mais ça vaut largement le coup. Est-ce que toi t'es prêt? Toi t'es totalement prêt. Toi tu m'as l'air pas trop mal prêt. On peut attendre encore un petit peu, mais. À la Pologne, elle pourra pas attendre plus longtemps. Allez hop! C'est parti pour la guerre avec la Russie. Alors, est-ce que Pologne? Demandez l'accès militaire, s'il te plaît. Et dis-moi que tu acceptes. Bien joué, Pologne. Tu as donc une chance de survie. Wop, putain, ça va être... Ok, je vois comment faire. On va faire un truc à peu près SACOM. Et Jean Lâtre de Tassigny, qui voici, va faire un truc à peu près SACOM. On va améliorer cette ligne de front. Je vais essayer de faire un truc un peu plus... Qui va direct à Moscou, quoi. Et toi, Orly, tu vas essayer de me faire un truc ouais, qui avance aussi plus vers le sud, comme ça. Et Jean Lâtre, tu peux commencer. Toi, tu peux commencer. Et toi, tu commences. Et ici, ma flotte, elle est bon. Elle est bon. Elle est bon. Ça, on voit. Pas de troupes en Finlande. Ah, putain, oui, j'ai pas pensé à la Finlande. Bon, la Finlande se débrouille. En vrai, il y a tellement... Enfin, c'est... Comment dire? La Finlande, c'est tellement nul en termes de ravitaillement. Limite, je préfère pas y aller, quoi. Qu'est-ce que j'ai gagné, ça? Oui, pour prendre une... Oh, mais une grande surprise. Pas dans le Grand Nord, pas dans le Grand Nord, c'est pas... Ah, oh, 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 oh. Ça, c'est extrêmement plaisant, ce que je vois là. Parce que là, c'est un encerclement assez vénère. Alors, toi, je sais pas, je crée, mais tu vas là, et ah, encore améliorer, putain. Stabilité, gain de productivité, hop. Et ouais, je dois gérer tout ça, là. Non, c'est un avion. Petite cellule. Il est où, mon chasseur? Je vais pas améliorer mon chasseur. Bon, on va l'améliorer maintenant, j'ai suffisamment de stats, allez hop. Hop, ça va devenir le chasseur 2 du coup. Deux canons, mitrailleuse légère. Chasseur 2. Les moteurs, je suis toujours avec des moteurs comme ça, donc on change pas. Et pour la tourelle, petite tourelle. Je vais rajouter encore une tourelle. Ouais, non. Ça change, et toi... Ah, mais j'ai déjà utilisé une cellule pour ça. Qu'est-ce qui m'emmerde? Celle que j'ai faite, ça. Mais il veut pas... Ah si, AR2. Ok. Bon, la guerre avec la Russie commence. Comment ça se passe, là? Ah, il faut quand même que je contrôle un minimum ce front. On s'occupe d'Odessa. Ouais, ça passe. Ok. Donc, c'est passé. Toi, tu te mets en force de frappe.
Toi, tu te mets en protection et toi, tu sais ce que t'as à faire. Donc, je m'en fais pas. Ensuite, lui. Attention. Lui. On supprime ça. On supprime tout ça comme ça qui est moche. On fait une belle ligne. Et pourquoi il y a deux putains de frontières ? En attendant, lui, il va me faire un truc comme ça. À peu près. Comme ça, c'est good. Les camtars. Allez, protection. M'en fous. Les camtars, que voilà. Oula! Oulala, 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 qu'est-ce que c'est que cette invasion là de merde? M'emmerde un peu, mais Orly, tu vas pas là. Tu récupères ça là, s'il te plaît. Tu vois, hein. Toi tu te remets bien, mais t'inquiète pas que tu vas partir aussi. Hein. Ok, bon, les navions. Navions. J'ai si peu d'avions. Je suis quand même assez choqué d'avoir si peu d'avions. Ils sont efficaces pour ça, donc autant que... Oh putain, mais ils sont là, mes avions! Oh, les cons! Oh, attends, il n'y a pas... Non, il n'y a rien du tout. Ah, il n'y a rien où je peux les mettre. Attendez, les gars, venez là. Putain, mes avions qui sont tous rangés à un endroit de merde. Oh là là! Alors ça, c'est horrible, ça. Alors, attends, d'ailleurs, tant que j'y suis... Espionnage! Opération. Où est-ce qu'il est mon... préparé un gouvernement de collabo. Hop. Lancez dès que tout est prêt. Hop là. Bon. C'est pas la guerre qui commence la mieux qui soit, mais c'est une guerre qui fait son bout de chemin. Ah, bah, je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, je viens d'enchaîner des épisodes d'une heure. Et pour un quatrième épisode, on fait Italie. Normalement, c'était que Italie. Et là, je m'attaque à la Russie. Donc, on va se calmer là. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis ciao à tous et à la prochaine.